sur le MS pour ça. Il va faire l'ensemble du bureau, enfin pour le RENAC, l'invitation, et pour l'organisation de ce congrès, intéressant et opportun. Malheureusement, avec le malheur qu'on vient de vivre. Alors, je vois dans le programme scientifique de cette première séance, il y a 4 sujets extrêmement intéressants. Donc, c'est un avis spécialisé sur l'usage de psychédéliques. C'est notre premier intervenant. La place de l'esquitamine. Est-ce que la neurobiologie va pouvoir nous aider à prédire ou à prévoir donc, la crise suicidaire? Et quatrième, et pas moins importante, est-ce que la neurobiologie va nous dire quel traitement prescrire pour certaines dépressions? Et sans plus tarder, je passe la parole au premier intervenant, le professeur Frank Bailey de Paris, que vous connaissez. Je pense qu'il n'a pas besoin de se présenter. Ce n'est pas son premier congrès dans cette association. Il nous a fait l'honneur et le plaisir d'être avec nous pendant plusieurs années. Sachez qu'il est professeur de psychiatrie à Sainte-Anne et il est spécialiste de situations difficiles extrêmes. Je pense qu'il a traité surtout la pulsivité, l'agressivité, mais aussi donc le traitement résistant. Il va nous parler sur la vision critique de thérapie par psychédélique de point de vue clinique. Franck, tu as la parole. Je vous remercie infiniment et mes premiers mots sont évidemment pour remercier les organisateurs du congrès, en particulier mon cher ami Abderrazak Ouanas, Siam bien évidemment, et notre précieuse jeune psychologue. Et puis pour vous dire combien je suis toujours honoré de parler dans mon pays natal, tout le monde, je crois, le sait, je le répète systématiquement. Et je suis très heureux de la présidence d'aujourd'hui, puisque c'est le cher, très estimé maître de Abderrazak Ouanas Medipaes, qui, en compagnie de sa collègue, va me modérer. Et je voulais vous présenter la vision critique des thérapies psychédéliques, point de vue d'un clinicien. Avec le recul de mon expérience clinique, je pense qu'il est possible de donner un avis qui se distingue même des soubassements scientifiques et de la littérature pour s'appuyer sur les expériences plus empiriques que nous accumulons les uns et les autres au travers de nos expériences cliniques. Et plus la carrière est longue, plus les expériences, si notre mémoire n'est pas faillible, s'accumulent pour donner peut-être des approches qui ne sont pas rédigées dans les ouvrages de référence. Et ainsi, mon point de vue va reposer sur 3 choses, mon expérience clinique, mon expérience et l'expérience que j'ai de l'industrie pharmaceutique, que je ne malmènerai pas, je vais rester neutre, mais dont je dirai ce que je pense, et puis tout cela dans une perspective culturelle et anthropologique qui me semble importante à l'heure où les drogues se répandent partout et où on nous parle de soigner beaucoup de choses avec des nouveaux produits. Alors, juste pour vous dire, ma perspective clinique, elle est longue, puisque me voilà avec mon frère Aïfran en 1968, et comme d'habitude, Abderrazak me ramène sur les traces de mon enfance, et j'y suis fortement sensible. Mon expérience clinique, elle a été aussi le fait que dans les années 85, un bon interne devait avoir l'ouvrage de Alain Vialard, toxicologue de Marseille, sur son bureau. Mais je pense que peu l'avaient, et moi peut-être pour des raisons plus personnelles, j'avais acheté cet ouvrage. D'abord parce que je vous dirais les expériences plus personnelles, et que je m'intéressais à peu près à tout en psychiatrie. Et parce que Alain Vialard se trouvait être le condisciple de ma mère à la faculté d'Alger, dans les années 40, il avait 2 ans d'avance et c'était un toxicologue émérite qui a fait des ouvrages de référence en toxicologie. Et il a donc eu son bac à 15 ans et fait sa pharmacie rapidement, est devenu professeur de toxicologie. Il avait écrit un traité sur les hallucinogènes dans les années 80, pour sa dernière révision, qui reprenait tout ce qui avait été publié à l'époque et qui avait été un peu critiqué en disant que c'est une compilation finalement des études, mais c'était difficile d'avoir un autre avis que celui-là. C'est à peu près dans les années 80-70 que les expérimentations sont arrêtées. Dans mon expérience clinique aussi, j'ai eu la chance d'entendre quelques psychiatres de Sainte-Anne qui avaient fait une expérience personnelle dans les années 80, tout début, dont Henri Lot, Alain Gilesté, qui est décédé aujourd'hui, mais Henri est toujours là. Ils avaient été une dizaine à prendre du LSD ensemble, dans des conditions pseudo-expérimentales, ou en tout cas tentatives expérimentales,
Et ce qu'ils en avaient raconté, je crois qu'ils avaient écrit quelque chose dans une revue locale dont je ne retrouve pas la trace, c'est que chacun s'était exprimé de façon assez intense dans leur personnalité. Ceux qui étaient obsessionnels étaient devenus complètement obsessionnels, je tairai les noms. Ceux qui étaient plutôt euphoriques étaient très euphorisés. Ceux qui étaient angoissés avaient été très angoissés, etc. Mais ce n'est qu'une anecdote pour vous faire sourire aussi. Et puis j'ai passé 3 ans dans un centre d'addictologie avec la chance d'être dans celui qui proposait la méthadone comme mesure avant même qu'elle soit distribuée en France. La méthadone ayant été suspecte de tous les maux jusqu'au moment où l'épidémie de sida a déclenché la prescription en masse de méthadone chez les patients qui prenaient évidemment des produits opiacés. Mais dans ce centre, et puis j'ai continué à avoir des patients comorbides en addiction ou de première intention consultant pour un trouble addictif. C'est dans ce centre aussi où j'ai expérimenté les amphétamines chez les patients soit cocaïnomanes comme thérapie de substitution, soit chez des patients suspects de troubles déficitaires de l'attention ou d'impulsivité de l'adulte. Et puis, c'est un aveu, certes, prescrit aujourd'hui par la loi, puisque dans les années 70-80, moi j'arrivais du lycée Lyautey. Au lycée Lyautey, il y avait le foyer Claire Granier, où on savait qu'on vendait du cannabis. Il y avait une coutume, hein, vous savez que le cannabis a été autorisé, puis interdit, puis autorisé, puis interdit, suivant les sultans, suivant les époques. Quand mon père était enfant, hein, il se vendait dans la régie des tabacs marocaines, qui était associée à la régie des tabacs françaises, on vendait des paquets de kiff en vente libre. Et puis c'était évidemment interdit à mon époque, mais déjà répandu dans mon lycée. Quand je suis arrivé en France en 1974, il n'y en avait pas. Il n'y avait absolument rien dans le lycée, il n'y avait pas de cannabis, c'était rare. Il y avait un ou deux héroïnomanes, jeunes malheureusement, et qui n'ont pas bien survécu, mais le cannabis n'était pas là. Mais en 78, quand j'ai passé mon bac, c'est-à-dire 4 ans, même pas, oui, 4 ans plus tard, eh bien, il y en avait partout. En particulier dans les endroits paupérisés et dans les endroits où les gens ont les moyens d'acheter des drogues. Et puis j'étais un expérimentateur, sans doute avec un trait de personnalité de chercheur de sensations fortes. Mon deuxième plus grave accident de moto, je l'ai d'ailleurs réalisé à Casablanca sur la Corniche en 76. Mais j'ai testé un peu toutes les drogues qui étaient disponibles sur le marché à l'époque, le MDMA, le LSD, les champignons, le cannabis, l'héroïne en sniff, pas en injectable, non pas que j'avais peur des piqûres, mais ça me semblait peu sain de le faire comme ça, par volonté expérimentale, sans jamais tomber dans une addiction autre que le tabac et le vin rouge, mais de qualité. Donc ces expériences personnelles m'avaient aussi encouragé sans doute à m'intéresser de près aux drogues hallucinatoires, qui à l'époque n'étaient évidemment pas considérées comme la pharmacopée. Et cette expérience, est le résultat de toutes ces expériences, s'est enrichi de mon expérience dans l'industrie pharmaceutique et avec l'industrie pharmaceutique, puisque dès mon début de mon internat, j'étais investigateur, associé, puisque les internes pouvaient être investigateurs associés, chefs de clinique, sur des antipsychotiques, etc. Et je voyais comment se déroulait au plus près du patient l'investigation clinique, j'entends bien, hein. Et puis après, j'ai été investigateur principal par la suite de plusieurs types d'antipsychotiques, international ou d'investigateur national ou international, d'antidépresseurs et de psychostimulants. J'ai donc participé aussi à des phases 4 post-market. Et puis, j'ai été consultant, puisque j'ai travaillé chez Ron Poulenc-Vorer, RPR, ne pas confondre avec le parti politique de l'époque, de 97 à 99, à mi-temps, j'étais salarié, et on m'avait fait travailler sur pas mal de choses, dont du marketing. J'étais dans une période où j'avais pas de poste, hein, donc il fallait bien me nourrir. C'est pas un aveu de faiblesse du tout, parce que j'étais très à l'aise, mais j'ai vu de l'autre côté, de la barrière, si j'ose dire, comment les choses se pouvaient se pratiquer, surtout dans ces années-là. On m'avait, par exemple, dit, tiens, le dossier du riluzole, regarde si on peut pas le remettre un peu sur les patients réfractaires en schizophrénie. Le riluzole était un produit qui est toujours en vente, hein, qui est utilisé, qui va être détrôné par un autre produit antipsychotique, l'ORAP, le pimoside. Le riluzole était un produit qui est utilisé dans la sclérose latérale amyotrophique, mais qui avait été développé, c'est un antagoniste GABA puissant, qui avait été développé pour la schizophrénie sans effet.
Donc, on m'avait dit, tiens, regarde si c'est possible de le développer dans la schizophrénie réfractaire. Et les choses pouvaient se démarrer comme ça. Ça avait semblé assez impossible, mais j'ai vu qu'un papier était sorti en 2019 et qu'il est toujours là depuis plus de 30 ans, dans l'attente de trouver sa voie. Et puis, rappelons-nous, pour une histoire assez exemplaire de l'industrie pharmaceutique, le Divalproex, le Dépakote, a été, à partir du Dépamide, sans doute, développé en France. Le Dépakote a été repris et par Sanofi et par donc le descendant de Ron, enfin, qui avait absorbé Ronpoulin-Grohe. Le Dépakote a été défendu par Abbott aux États-Unis de façon massive, au point qu'on n'utilisait plus le lithium, ou quasiment pas, au point que tout le monde disait que le Divalproex était bien supérieur au lithium, ce qui est une tendance inverse depuis que ce produit a été génériqué, avec des conséquences cliniques importantes, parce que beaucoup alimenté dans les congrès, par l'industrie. Suzanne McElroy, pour ceux qui la connaissent, maintenant, c'est plus une jeune fille, c'est une jeune femme rousse magnifique qui parlait très bien et qui était très professeure dans plusieurs universités aux États-Unis, avait fait dans toute cette époque, avait déroulé comme ça le spectre affectif, spectre bipolaire, en même temps que Akiskal, américain et en touche, français d'origine libanaise, que je connais bien, les deux d'ailleurs, avait, il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler en même temps sur cet ordinateur. C'est vous qu'on appelle sans doute, Siam, c'est votre téléphone. Ça doit être votre ordinateur. Akiskal et Antouche ont développé massivement les indications du Divalproex. Moi, je le dis clairement, ils avaient développé, je ne sais pas si vous vous en souvenez, pour les moins jeunes, le trouble bipolaire type 3, bien sûr, mais le trouble bipolaire de type 4, le trouble bipolaire de type 5, de type 6, voire de type 7, et le tempérament affectif qu'on retrouvait assez communément. Et donc, le Dépakote a été prescrit larga manu pour aujourd'hui, alors qu'il est évidemment plus breveté, pour voir toutes les précautions d'usage, au point que maintenant, on recommande que même les hommes en période de possibilité d'être fécondant ne le prennent pas parce que ça altérerait la qualité du génome transmis par le père. Donc c'est un peu ça aussi l'industrie, c'est des choses qu'on apprend après, des choses qu'on apprend avant, d'un soutien fort à l'extension de leurs produits, etc. Et puis aujourd'hui, on est dans une considération quand même particulière pour l'industrie pharmaceutique en psychiatrie. Parce que quel est l'état du pipeline, comme on dit, il est dry, il est sec pratiquement. Rappelons-nous des grandes dates, hein, si moi je mettrais, bon bien sûr avant il y a les barbituriques, 1909, et puis le sirop de chloral. Enfin les produits qui ont une vraie indication aujourd'hui en psychiatrie, hein, c'est en 1944 le méthylphénidate, puis par la suite les amphétamines, donc un petit pic de production. Et puis surtout en 52, l'apparition des neuroleptiques avec un grand pic de production et puis plein de dérivés. En 56, les deux antidépresseurs tricycliques et IMAO. Et puis en 85, avec l'arrivée du flocifral qui a échoué, c'est le second sur le marché qui a pris le leading. Je suis un bébé Prozac parce que j'étais tout jeune interne et c'est le Prozac qui a pris le marché. Et puis depuis, hein, il y a eu évidemment jusque-là en 2000 à peu près. Beaucoup de production, beaucoup d'argent de l'industrie, beaucoup de congrès, beaucoup de choses faites, et puis pas grand-chose depuis. Et donc, dans ce contexte, eh bien, il faut aussi bien faire attention à ce que nous amène l'industrie pharmaceutique, pourquoi et quelles en sont les raisons. Et puis aussi, qui conduit et promeut les études, et je vous en donnerai juste une anecdote. Je ne dirai pas son nom, mais c'est un grand clinicien anglais qui a beaucoup publié sur les troubles bipolaires dans les traits thérapeutiques, qui aujourd'hui publie sur la psilocybine, qui est un type fort sympathique, à qui j'appelle Robin Murray, qui était à l'époque président du Maudsley, et je lui demande s'il peut voir un de mes neveux, un petit cousin, etc., qui a les moyens. Robin Murray était président du Maudsley, mais a une consultation privée, c'est un excellent clinicien et un grand chercheur, ça chacun le sait. Et il me dit, écoute, j'en vois plus, là j'arrête. Alors je lui dis, mais à qui je pourrais l'embrasser? On suspecte un trouble bipolaire, donc on l'adresse à notre ami qui était un peu plus loin de Londres et que j'appelle et qui dirige des études encore, hein, et qui a beaucoup promu des études de médicaments et à qui je demande comme un service personnel de le recevoir dans sa consultation privée. Il me dit, j'en ai pas. Je lui demande de me recevoir dans sa, de le recevoir éventuellement dans sa consultation publique. Comme ils auraient les moyens, il ferait un don à son institution de recherche. Il me dit, mais tu sais, ma consultation publique est restreinte aux patients de la circonscription. Mais je lui dis,
Mais écoute, tu peux peut-être faire une exception. Il me dit, mais tu sais, je vois très peu de patients. Et ça m'avait quand même pas mal perturbé parce que il était sur les tréteaux très régulièrement à promouvoir ses études cliniques. Donc, une fois cela dit, les perspectives culturelles, elles sont évidemment aussi importantes. Je ne défendrai pas les études bien conduites que plusieurs d'entre vous vont évoquer ou ont évoqué. Mais les perspectives culturelles, c'est quoi par rapport aux drogues hallucinogènes, à la psilocybine en particulier, ou aux autres produits qu'on essaie de ramener sur le marché? C'est que le contexte culturel nous vient beaucoup des États-Unis, en particulier parce que c'est une puissance dominante, qu'elle l'a été au cours du XXe siècle, dans sa seconde moitié pour l'essentiel, comme chacun le sait, que c'est comme ça que ça se passe. Autant des Romains, c'est les Romains, autant des Américains, c'est les Américains. Dans les années 50, il y a un mouvement libertaire qui se met en place, c'est la Beat Generation, le plus connu et le chef de file était Jacques Kerouac, qui a écrit « Sur la route », et avec Bertrand Russell ou d'autres. Et il avait écrit, et ils avaient comme perspective aussi, non seulement de donner de la liberté, c'est de là qu'est né le mouvement 64 de Berkeley, 68 en France, mais c'est plus anecdotique, il avait entraîné cette nouvelle dynamique culturelle à travers ces aspects libertariens. Bien sûr, il y a des prédécesseurs, Rimbaud, Gérard de Nerval et d'autres non français, bien sûr. Mais tout de même, c'est cette époque-là culturelle qui a été très envahissante sur les campus américains. Et par exemple, ils soutenaient toutes les expériences chamaniques, la prise de produits psychotropiques, psychodysleptiques, entre autres. Pas forcément sans effet positif. Hein. Moi, j'adore Philippe Dick, qui est un peu moins contemporain qu'eux. Philippe Dick a écrit des ouvrages de science-fiction très connus. Vous avez tous vu Blade Runner, qui s'appelait en anglais « Do Androids Dream of Electric Sheep ?» Est-ce que les androïdes rêvent aux moutons électriques? Et Philippe Dick a écrit aussi Total Recall, Minority Report, des films connus, hein, dont un a été tourné par Spielberg. Et Philippe Dick écrivait sous LSD. Hein, il écrivait, il prenait régulièrement du LSD, il est mort jeune, mais il a écrit une anthologie formidable que je vous encourage à lire si vous ne l'avez pas fait, parce que les psychiatres devraient lire de la science-fiction, il y a beaucoup de dystopies sur le futur, et c'est encore d'actualité largement, croyez-moi. Et puis après, en 1964, hein, il y a eu le mouvement à Berkeley, et puis toute cette vague « hippie », entre guillemets, avec « If you go to San Francisco, n'oubliez pas de mettre des fleurs dans vos cheveux », et puis les Doors, dont l'un est mort tristement à Paris dans un caniveau, sous héroïne et sous drogue et sous alcool, Jim Morrison. Donc c'est une culture de l'époque, et en même temps, vous le savez, on a essayé, là il y avait l'ouvrage dont je vous parlais tout à l'heure, et puis les expérimentations de certains psychiatres, on a essayé de voir ce que donnait sur le plan psychiatrique ces drogues hallucinogènes. Et puis, le fait que ça se répande assez vite, les expérimentations aux États-Unis, il y a eu un arrêté sous Nixon qui a interdit les utilisations de drogues hallucinogènes dans la pharmacie. Et donc, ça s'est arrêté là. C'est un peu comme ça que ça s'est passé, parce que c'était envahissant. Et puis après, ça s'est poursuivi, les mouvements culturels avec le New Age dans les années 80, qui ressemble un peu à ce qu'on trouve aujourd'hui avec toute le holistic approche, etc. C'était les années coke et cannabis avec une extension maximale et l'héroïne chutant un peu dans sa perspective. Et puis en 2010, on est submergé par les drogues partout, dans tous les pays. Je crois que le Maroc ne fait pas malheureusement exception. Vous le savez comme moi, la France, c'est une catastrophe. Il n'y a aucune campagne, il y en a contre le tabac, mais pas contre les drogues. Et c'est dans ce contexte qu'il faut aussi envisager les choses, parce qu'aujourd'hui, c'est Uber-drogue. C'est-à-dire, si vous voulez de la kétamine, ce n'est pas la peine de vous inscrire à l'hôpital. Hein. Il suffit de téléphoner, vous en avez dans l'heure, livré chez vous, pour un prix modique et sans attendre, etc. Alors, pour avoir une perspective culturelle plus, disons, journalistique, j'ai choisi une seule revue non scientifique qui s'appelle Wired, je ne sais pas si vous la connaissez. Wired est une revue qui a été, moi je m'y suis intéressé parce que je m'intéresse beaucoup à l'informatique dans les années 90 et je vais recommencer un peu à coder puis j'ai vite abandonné, c'est pas mon métier, mais c'était une revue de cybernétique et d'informatique qui s'est transformée peu à peu en une revue de futurologie
extrêmement lue aux États-Unis par les décideurs économiques, qui est une revue qui pose les problèmes avec des qualités de neutralité, parfois sans défaut, mais qui est quand même dans une perspective politique. Parce que Wired, c'est une revue de Californie, c'est une revue de la Silicon Valley, c'est une revue progressiste, c'est une revue qui essaye de ne pas aller trop loin dans les directions, mais qui prend position. Et c'est donc un point de vue philosophico-sociopolitique qui est important à considérer dès lors que l'on va se mettre peut-être un jour à utiliser l'argot manu des psychédyslexiques pour traiter les maux de la société ou les maux des patients. Hein, il y avait un éditorial et tout un article sur le point de vue philosophique où cette revue disait, dans la revue on disait, il est étrange le désintérêt des philosophes par rapport à l'expérimentation sur l'altération de la pensée par les drogues. Avec comme conclusion, c'est montrer combien est conservateur la philosophie, et combien reste conservateur la philosophie comme une discipline académique. Pourtant, Platon était soit sceptique, soit dogmatique, mais la question n'était pas définitivement fermée, c'est-à-dire un rejet un peu de nous, de l'académie. Avec des exceptions, bien évidemment, comme Michel Foucault, célèbre, qui disait lui-même, c'est très long toute cette lecture, donc je prendrai que quelques exemples, qui disait, et je préfère encore prendre de l'acide lysergique dans le désert de Mojave que de prendre du vin à Paris, ce en quoi nous différons avec Michel Foucault, mais son intérêt pour les malades, non. Et donc c'est une véritable alternative anthropologique, dans le fond, qui est derrière tout ça. Est-ce qu'on veut un monde où on va prendre libertarien, où on va prendre des drogues, on va modifier nos états de conscience, parce que ça dépasse le cadre médical, vous le savez bien, hein, les drogues sont très répandues, et celles qu'on veut utiliser, ou qu'on utilise déjà, également. Par exemple, ça va très vite, parce qu'en Australie, au 1er juillet 2023, c'est-à-dire tout récemment, le MDMA et la psilocybine sont approuvés comme traitements médicaux en Australie, premier pays. Parce que aux États-Unis, dans le Colorado, qui est un état assez progressiste, moins connu, enfin, dites-vous que c'est là qu'il y a le festival de Sundance, de films indépendants, etc., eh bien, il y a tout un débat avec une tentative de vote pour savoir si on peut libéraliser dans des cliniques de santé et de bien-être, pas forcément avec des médecins, l'utilisation de psilocybine. Et en Oregon, c'est déjà fait. Pourquoi ? Parce que ça marche sur la dépression, ça marcherait sur l'utilisation de substances, et ça marche sur le stress post-traumatique, dit-on de façon assez affirmative. Mais pour l'instant, c'est pas voté dans le Colorado, mais c'est déjà en Oregon. Ça va vite, c'est hier et avant-hier. Ce qui fait que, eh bien évidemment, en dehors des grandes compagnies pharmaceutiques, il y en a d'autres qui cherchent. Je vous ai donné un exemple, parce qu'il est assez illustratif, d'un homme qui s'appelle Jason Wallach, qui était un ex-utilisateur de drogues psychédéliques, qui est un homme intelligent, et qui a monté une société qui s'appelle Compass Pathway. Pourquoi ? Parce que les projections de vente de psychédéliques, de l'industrie de vente des psychédéliques, est prédite pour qu'en 2027, ça rapporte 6,9 milliards de dollars. Et l'année d'après, 2028, c'est déjà projeté à 10 milliards de dollars. Et en septembre 2020, Compass a été la première compagnie dans ce type de marché mis sur le Major Stock Exchange, donc à la bourse, avec le Nasdaq, et valorisé à 10 milliards de dollars. C'est pas du petit argent, c'est beaucoup d'argent. Et donc, ça englobe plein de choses, du lobbying des industriels, du lobbying des associations, du lobbying politique, du lobbying de toutes sortes, ce qui est quand même pas forcément d'une clarté formidable. Et au point que ces industriels vont chercher des neuroscientifiques, mais vont un peu plus loin. Ils vont débaucher parfois des neuroscientistes qui fabriquent des drogues illégales, parce qu'il y en a, pour les embaucher légalement. La loi aux États-Unis est quand même plus souple qu'en France pour utiliser, par exemple, pour utiliser des produits illicites.
Mais bon, le même journal est quand même plus modéré et se pose la question, est-ce que cette bulle de psychédélique, on parle déjà de bulle, hein, de thérapie psychédélique, va-t-elle exploser? Le premier papier paru dans le New England Journal était un papier d'une équipe de l'Imperial College qui était mis en place par Kurt Harris, qui a été débauché et qui est maintenant le dirigeant à l'Université de Californie à San Francisco du Neuroscape Psychedelic Division. Donc ça va très vite, puisque le NEJM, c'est 2019, si je ne me trompe pas. Pourtant, dans ce premier papier, les psychédéliques étaient considérés comme très marginalement supérieurs aux produits de traitant classiquement la dépression. Et néanmoins, ça a développé un effort considérable, probablement dans le désert, dans ce pipeline très sec de l'industrie pharmaceutique, où il faut quand même avancer, et il faut quand même investir, où il faut quand même chercher un certain nombre de choses. Le problème aussi, je suis désolé, elles sont en anglais, mais je vous traduis les lignes, hein, pour ceux qui ne liraient pas l'anglais. C'est que la nature même des psychotropes, et c'est vrai pour la kétamine d'ailleurs, mais vous me critiquerez, ceux qui en sont des tenants, c'est que la nature même des psychédéliques fait que l'étude contre placebo est très difficile. C'est-à-dire en partie pour ça qu'il y avait eu un arrêt dans les années 80, avant les années 80, par Nixon, enfin, comment dit-on, le gouvernement Nixon, du développement en psychiatrie de ces produits. C'est que contre-placebo, c'est très difficile, parce que créer un placebo qui mime des effets, on sait tout de suite, et donc l'effet subjectif d'avoir pris quelque chose qui nous euphorise, peut être l'induction vous savez, le double aveugle est pas du tout contributif. Alors, il faut, dans ce contexte, et dans ce papier de Wild, il y avait une femme qui avait participé à la première étude, qui est un des auteurs de cette étude du New England, Rosalind Wells, qui avait, dans les années 2019, ou 2015, pardon, parlé à une TED conférence. Vous savez, les TED conférences, c'est ces conférences que donnent les gens Mensa, là, qui ont tous des QI supérieurs aux nôtres, sans doute, et qui se réunissent pour parler entre eux. Elle avait été extrêmement enthousiaste sur la possibilité d'utiliser les psychodysleptiques, la psilocybine, dans les troubles dépressifs. Et elle est revenue sur ses pas prudemment et sans doute avec conscience, puisqu'elle dit, je ne peux que regretter d'avoir contribué, d'avoir peut-être simplifié ce discours potentiellement dangereux sur les psychédéliques. J'essaye de corriger cet impact. Et depuis que j'ai fait cet essai, je suis beaucoup plus neutre et beaucoup plus agnostique. Toujours dans le même article ou dans d'autres papiers de trouvés dans Wired, on remarque quand même un questionnement anthropologique déjà antérieur. Anthony Wallace, qui est un anthropologue américain, disait dans les années, que je connais pas, hein, disait dans les années 50 déjà que les Euro-Américains qui prenaient de la mescaline au laboratoire, vivaient des expériences totalement différentes des natifs américains lorsqu'ils prenaient leur bouton de peyote dans leurs cérémonies religieuses. Autrement dit, le contexte culturel et le contexte d'administration est extrêmement impactant. En tout cas, c'est ce qu'affirmait cet homme alors qui est. Les anthropologues, ils observent et ils font pas de l'expérimentation, ils font de l'observation, vous le savez, mais très approfondie. C'est pas des sociologues. Certains auteurs qui continuent à travailler sur les psychédéliques avec foi disent que même il faut faire vraiment très attention maintenant parce que sinon la recherche va de nouveau s'arrêter là où elle a commencé parce que il va y avoir des conséquences que l'on ne peut pas prévoir et les choses vont être difficiles. Et puis, les psychédéliques, dans les études, ont quand même montré un certain nombre de problèmes, c'est-à-dire que ça donne une vulnérabilité aux patients dont la suggestibilité augmente énormément, et ainsi que leur désir sexuel. Par exemple, il y a une histoire célèbre cette nuit, en 2015, d'une patiente dans un essai contrôlé NMDA, NMDA, oui, qui avait, pour les PTSD, qui avait été violée, dans le fond, pendant l'essai, parce qu'elle était influençable et influencée. Alors ça, c'est juste un mot avant la conclusion. C'est que c'est un mot de l'éditeur de Wired qui disait, on a commencé avec la marijuana pour la passer d'illicite comme à
devenir une herbe médicinale. La kétamine aussi est reconnue pour ses propriétés thérapeutiques. C'est en 2019, donc c'était encore potentiel. Maintenant, c'est le tour de la psilocybine et des champignons magiques. Pourquoi pas? Alors, c'est très curieux parce que vous le savez sans doute, mais il y a eu quand même des articles à charge contre le Prozac dans le Times, dans Newsweek, il y a eu des articles à charge sur la Ritaline dans le Prozac et dans le Newsweek et le Times. Il y a eu des articles à charge précédemment contre le Valium, mais culturellement, là, il y a plutôt un effet favorable et vous le lisez dans la presse régulièrement. Alors, de Woodstock à Burning Man, à Woodstock, vous savez, ce grand festival de musique où tout le monde était défoncé, à Burning Man. Burning Man, c'est un grand festival où on brûle des statues géantes qui attirent des milliers de touristes et de participants dans le désert du Nouveau-Mexique ou d'ailleurs aux États-Unis. Eh bien, à l'époque, Woodstock s'est pas organisé. À Burning Man, il y a des rencontres, on s'assied tous ensemble, il y a un pseudo-chaman et on absorbe nos psychodysleptiques comme ça. Et puis, les jeunes patients aujourd'hui vous disent Keta, Met, la C, ils disent plus cocaïne, le psylo, etc. Et on est à l'ère de l'Uberdrug. Comme je le disais tout à l'heure, en une heure, on est livré chez soi. Les patients vont-ils se traiter tout seuls? N'auront-ils plus besoin de nous? Eh bien, non, mais peut-être, mais pas sans risque. Et puis, dans un contexte quand même où la culture générale mondiale n'apparaît pas très claire. On est un peu ébranlé dans nos certitudes, il y a des guerres, il y a des moments difficiles. Puis la psilocybine pourrait être la réponse à tout ça, mais j'imagine qu'en donner à tous ceux qui ont vécu un tremblement de terre, en disant ça va t'effacer tout ça, tu vas repartir comme en 40, n'est pas une solution envisagée. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et j'espère vous avoir réveillé. Merci Franck, merci pour le 3 minutes que vous avez fait. Cadeau. Je pense que peut-être qu'il y a temps pour faire une ou deux questions, parce que là, c'est vrai que c'est un sujet très délicat, d'actualité, et comme le psychédélique, il y a aussi le dérivé de cannabidiol, alors donc c'est les deux produits phares que maintenant, au niveau mondial, on voit qu'il y a des mouvements dans tous les sens, scientifiques, industriels, économiques, et très important du point de vue non seulement disons thérapeutique médicale mais éthique surtout. Alors je ne sais pas s'il y a une question impérieuse dans la salle concernant donc oui, docteur Bumbray. C'est le seul qui a une question. En fait, je pense qu'il y a deux éléments à prendre en considération dans cette affaire. D'abord, il y a l'effet social, parce que le 20 et le 21 et le début du 21e siècle ont connu une transformation des différentes sociétés avec la mondialisation qui a fait quelque part perdre ses repères à beaucoup de gens qui sont un petit peu dans le regret de choses qui existaient anciennement dans les cultures, surtout dans les vieilles cultures. Donc cet usage en Inde, aux États-Unis, au Mexique, en Amérique du Sud, et on avance même avec un léger retour qu'on voit, par exemple, le kiff, donc au cannabis naturel. Et de l'autre côté, il faut le dire, sans se cacher, sans se voiler, il y a l'appétit des multinationales et des big pharma qui est là et qui sont là pour se faire de l'argent. Donc, cette recherche d'un certain nombre de produits à utiliser est là et elle se rapproche d'une demande qui émane des populations, surtout les populations jeunes, qui sont un petit peu dans une perte de contrôle et donc ils sont à la recherche d'une identité. Donc on va donner un produit qui est connu
Et donc, vous avez parlé tout à l'heure de Woodstock, vous avez parlé de ces. On peut parler des rêves partis qui se font aussi, en Europe et un peu partout. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu une espèce de recherche de la collectivisation dans une société qui est devenue trop individuelle, avec des pertes de repères? Merci de cet éclaircissement et c'est, on peut tout à fait le penser comme ça. Alors c'était très difficile aussi de réfléchir quand on est psychiatre du point de vue du clinicien pur. Il faut un peu s'extraire de ça et puis aussi de sa propre culture générationnelle. Est-ce qu'en vieillissant on devient conservateur? C'est bien classique. Enfin, en étant moins jeune, on devient plus conservateur, c'est assez classique. Mais enfin, bon, j'ai quand même tout expérimenté, si j'ose dire. Donc, j'étais assez libertarien dans mes jeunes années. Mais tout de même, pour moi, c'est assez inquiétant parce que ça répondra jamais à la perte de sens civilisationnel qui, comme vous l'avez dit, comme tu l'as dit, traverse la planète. Et ça m'inquiète parce que même si d'abord ça peut desservir les études expérimentales qui sont en train d'être faites, comme ça l'avait été dans les années 70-80, et puis surtout les jeunes s'appuient sur ça, c'est-à-dire qu'ils vont dire, ben ils ont lu l'étude du New England Journal, pas en détail et sans la critiquer, mais ils disent, ben voilà, les médecins eux-mêmes disent que c'est bien, donc ça alimente malheureusement cela. Alors il y a même des études sur pour effacer la mémoire traumatique. Ça efface, ça erase, tchac, comme ça on n'a plus le traumatisme. Bon, on le revit autrement, on le réessentialise. Ce qui est quand même, je ne sais pas, alors peut-être que l'humanité est destinée à évoluer autrement, hein, totalement branchée sur nos ordinateurs et bourrée de psilocybine, j'en sais rien, mais je ne suis pas sûr que ça fonctionne, mais bon. Bien, merci pour ce travail, pour ces clairs avertissements concernant donc le psychédélique. Et je passe la parole au docteur Hanoufi qui va présenter le deuxième intervenant. Merci, professeur Thuriez. Donc, j'ai le plaisir et l'honneur de passer la parole au docteur Brian Place, qui est praticien hospitalier à l'hôpital Sainte-Anne, qui fait beaucoup de recherches sur l'imagerie cérébrale, des troubles psychiatriques, pour partager avec nous son expérience pratique au sein de l'hôpital Sainte-Anne, concernant l'utilisation d'esquitamine pour les dépressions difficiles à traiter. En attendant que ça se mette en place, d'abord je voudrais remercier le professeur Wanas pour son invitation. C'est un grand honneur de participer à votre congrès. Et puis, moi c'est le Maroc, le pays natal de mon père. Alors, c'est la première fois que je viens au Maroc, je me suis très touchée d'être avec vous aujourd'hui. Alors, avec l'utilisation des antidépresseurs, très vite on s'est aperçu qu'environ dans les premières études, 40%, 30% aujourd'hui des patients ne répondent pas à plusieurs lignes de traitement. Et c'est notamment l'étude STARDE, qui était la grande étude naturalistique des années 2006, hein, puis après il y a eu énormément de qui avait essayé au départ de répondre à la question de, après un échec d'antidépresseur, est-ce qu'il faut potentialiser le traitement antidépresseur, est-ce qu'il faut switcher au sein d'une même classe d'antidépresseurs, au contraire de changer de classe d'antidépresseurs, ou faire des combinaisons d'antidépresseurs. L'étude a été finalement assez décevante, puisqu'on n'a pas du tout pu répondre à cette question-là. En revanche, on a pu se rendre compte et confirmer qu'environ, après une première ligne de traitement, quand on introduit une deuxième ligne, on arrive à peu près à 60% de patients répondeurs, et puis après, quand on essaye une troisième ligne de traitement, voire une quatrième, eh bien on gagne très peu. Il y a très peu de nouveaux patients qui vont pouvoir répondre ou être en rémission après une troisième ou une quatrième ligne. Et ça, c'est notre expérience, on va dire, assez quotidienne.
Alors, la question de la dépression résistante, c'est une question déjà une question de définition. Là, je vous ai mis, je ne vais pas vous les détailler, hein, mais il y a différentes définitions en fonction du nombre de lignes, en fonction de la durée des lignes de traitement. Mais on va globalement s'entendre sur le fait qu'on va considérer une dépression résistante, pharmacorésistante, quand on a eu un échec de deux lignes de traitement, deux essais bien conduits thérapeutiques, c'est-à-dire en posologie suffisante, c'est-à-dire la posologie maximale tolérée par le patient, et puis une durée qui va être, selon les définitions, de 6 à 10 semaines, c'est ce qui est à peu près commun à ces différentes définitions. Et à partir de ce traitement, on n'a pas de rémission symptomatique. Et puis, il faut quand même considérer que les patients, on pense qu'ils prennent bien leur traitement, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, il faut aussi s'assurer que les patients aient bien pris leur traitement. Et ça, c'est ce qu'on va appeler la pseudo-résistance. On croit que le patient n'a pas répondu au traitement, alors qu'en fait, le traitement n'était pas pris. Ou alors, au contraire, parce que les patients prennent bien leur traitement, mais sont des métaboliseurs rapides, et ça peut entraîner, en fait, un traitement insuffisant pour pouvoir obtenir une réponse ou une rémission. D'où l'importance de pouvoir faire des dosages plasmatiques des traitements avant de conclure à la résistance au traitement antidépresseur. Alors, la dépression résistante, pourquoi on s'y intéresse? Parce que c'est ce que je vous disais, notre quotidien. Hein. Elle a un poids, bien sûr, puisque les dépressions qui résistent vont devenir chroniques, et plus les dépressions sont chroniques, plus elles vont résister. La dépression pharmacorésistante va entraîner aussi plus de suicides que les dépressions simples répondeuses au traitement, hein, quasiment multipliées par deux, le risque de décès par suicide, mais aussi le risque de mortalité, autre cause que celle du suicide. Puisque la dépression résistante va aussi être plus pourvoyeuse que les dépressions simples de complications somatiques, notamment les maladies cardiovasculaires, le diabète et l'obésité sont particulièrement drivés par ces dépressions résistantes. Ça va avoir bien sûr des conséquences sociales, familiales pour les patients, sociétales en termes d'arrêt de travail, en termes d'invalidité. Il va y avoir un coût pour la santé publique. Ça a été étudié aux États-Unis, c'est intéressant parce qu'ils commencent à avoir accès à des grandes bases de données d'assurance américaines où on peut justement évaluer les coûts et qui sont jusqu'à 20 fois, quasiment 20 fois supérieurs pour les dépressions résistantes que pour les dépressions simples. Et en Europe, dans une étude qui avait été menée par JAF, eh bien, on montrait qu'il y avait deux fois plus d'hospitalisations chez les patients qui souffraient de dépressions résistantes que pour les dépressions simples, alors qu'ils ne sont qu'un tiers des dépressions. Et puis, on sait aussi que ces dépressions résistantes devenues chroniques vont avoir un impact fonctionnel et notamment cognitif. On sait que la répétition des épisodes dépressifs, leur chronicité, leur durée dans le temps, vont impacter la neurogénèse cérébrale. Et on va retrouver des réductions de volume hippocampique plus importantes chez ces patients qui souffrent de dépressions résistantes. Alors, on a déjà un petit peu parlé ce matin des nouveaux paradigmes, la façon de renommer la dépression résistante en se focalisant plus sur le patient en dépression difficile à traiter. Et là, le focus se fait sur plus la qualité de vie des patients pour avoir une vision moins dichotomique, réponse, non-réponse, rémission, non-rémission, mais se dire que pour certains patients, eh bien, même seulement 35% d'amélioration, on va dire sur les symptomatologies, ben c'est déjà un impact fonctionnel qui peut être significatif. Donc, de ne pas renoncer à essayer d'améliorer quand même la vie des patients en poursuivant, on va dire, l'engagement thérapeutique pour essayer de les aider. Donc, c'est une façon un peu différente de voir les choses. Alors, la question du terme, la stigmatisation, je ne suis pas certaine que difficile ce soit moins stigmatisant que résistant, mais ça, c'est peut-être une question de point de vue. Alors, qu'est-ce qu'on a comme solution pour les dépressions résistantes? Donc, la première ligne, on a vu, hein, les 6 à 10 semaines selon les guidelines. Hein, il y en a 90 qui ont été publiés dans le traitement des dépressions. Donc, ça fait beaucoup de guidelines. Mais grosso modo, elles ont quand même des points communs et elles s'accordent à peu près. Quand on a une réponse partielle ou une non-réponse à un traitement, en seconde ligne, eh bien, on peut combiner des traitements, on peut ajouter du lithium ou des antipsychotiques, alors avec des différentes AMM selon les pays, ou switcher pour un autre antidépresseur. Et puis dans la troisième ligne, eh bien, on a d'autres combinaisons, d'autres polypharmacies à faire, d'autres potentialisations. Et puis maintenant, on a dans la dépression résistante ce nouvel outil thérapeutique qui est la esquétamine et qui a l'autorisation d'utilisation pour justement la dépression résistante.
dis quand même un mot, j'en reparlerai tout à l'heure des OCT. La stimulation cérébrale a aussi sa place dans les dépressions résistantes avec l'électroconvulsivothérapie qui reste aujourd'hui le traitement le plus efficace dans la dépression, que ce soit dans l'urgence ou dans la résistance, mais qui malheureusement a des effets secondaires cognitifs qui peuvent être importants. Un petit mot sur la stimulation magnétique transcrânienne, la RTMS, hein, qui a des autorisations dans beaucoup de pays dans le monde. Et assez curieusement, en France, pas du tout. Donc ça reste du domaine de la recherche, en tout cas en France. Donc en troisième ligne, je vous ai introduit donc, la esquétamine comme nouvel outil thérapeutique. Donc, je ne vais pas redétailler ces études qui ont été présentées ce matin, ces premières études qui ont été menées sur un nombre important de patients, qui ont pu montrer une efficacité supérieure dans la phase d'induction à les 4 premières semaines de la esquétamine comparée au placebo. Et puis, avec des études plus récentes qui ont pu montrer un nombre de patients à traiter qui est environ de 6 pour obtenir une réponse et qui est de 7 pour obtenir une rémission. C'est une efficacité, on va dire, qui est moyenne. Mais quand vous vous souvenez qu'en troisième ligne ou en quatrième ligne sur l'étude Stardi, le pourcentage de chances d'obtenir une amélioration, c'est quand même considérablement plus intéressant. Et puis ces autres études qui se sont intéressées au maintien, donc après la phase d'induction, au maintien de la réponse ou de la rémission en poursuivant la esquétamine ou alors en mettant du placebo. Ce qui était intéressant, c'est de montrer quand même que les patients qui étaient sous placebo initialement avaient plus de chances de rechute après. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on sait que l'effet placebo, il peut être important dans la dépression. Hein, les études, c'est quasiment 50% de réponse au placebo. Mais cet effet va s'épuiser. Hein, on va avoir plus de rechutes sous placebo qu'avec un traitement efficace. Et puis on a ces études là maintenant qui commencent à arriver. On a parlé d'études du New England où on comparait l'esquétamine à la quétiapine, d'autres études qui comparent à d'autres techniques de polypharmacie, et on voit l'intérêt de l'esquétamine par rapport à ces autres stratégies de polypharmacie qu'on avait auparavant, en plus de l'ECT. Alors, c'est un traitement qui est particulier, que l'on utilise à Sainte-Anne depuis 2019. Donc, ce que je disais ce matin, avant que nous ayons eu l'AMM, pendant à peu près une année, on a eu une ATU de cohorte. Donc, on pouvait prescrire, c'était un peu plus restreint les indications qu'avec l'AMM. Mais ça nous fait quand même un recul maintenant, quasiment de 4 ans, sur l'utilisation de cette molécule. Donc c'est le seul traitement qui est indiqué aujourd'hui pour la dépression résistante, c'est un stupéfiant. Donc il y a une délivrance qui n'est faite qu'à l'hôpital, encadrée avec une surveillance comme on peut l'avoir pour les stupéfiants. Ce qui est particulier aussi, c'est que ces patients qui s'auto-administrent son traitement, sous surveillance bien sûr infirmière, il est accompagné dans cette auto-administration. Et puis c'est un schéma thérapeutique qui ressemble à celui de l'électroconvulsivothérapie avec une phase d'induction durant un mois, puis une phase de maintien pour aller jusqu'au bout, jusqu'à 6 mois. Et puis, ce qui est particulier aussi et qui fait partie de l'AMM, c'est qu'on initie un nouveau traitement antidépresseur avec la esquétamine, soit un ISRS, soit un IRSNA. Et puis, le profil de tolérance est spécifique et je vais un peu m'attarder et vous dire un peu comment les choses se passent à Sainte-Anne avec les patients. Mais avant, je vous dire juste, vous reprendre les posologies et peut-être l'initiation commence à 56 mg, sauf si les patients sont âgés ou d'origine japonaise, pour des raisons métaboliques, à ce moment-là, il faut commencer à des plus petites doses à 28 mg. Et puis dans les séances suivantes, on va augmenter. Au départ, on n'augmentait pas systématiquement parce que les premières études ne montraient pas forcément d'effet supérieur du 84 mg sur 56. Aujourd'hui, on a changé notre pratique. Et évidemment, depuis qu'on monte à 84 mg, on a plus de patients qui sont en répondeur ou en rémission. Donc, si possible, voilà, ma recommandation, c'est d'augmenter à 84 mg, excepté si le sujet est âgé. Donc, ce que la phase d'induction, la phase d'entretien, c'est ce que je vous ai expliqué. Dans la phase d'induction, il y a 2 administrations par semaine, 2 jours, ça pendant un mois. Puis ensuite, c'est une fois par semaine pendant un mois. Puis après, c'est une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, et on s'ajuste à la réponse et à l'état du patient. Alors, à quelle cinétique d'efficacité s'attendre? En général, en 15 jours, on voit les patients s'améliorer.
Ouais, et là, c'est quand même assez précoce hein, par rapport à ce dont on a l'habitude avec les autres traitements. Et puis, au bout d'un mois, on va obtenir la rémission. C'est à peu près le cadre global quand on a un patient qui va répondre. On a aussi une réduction de la suicidalité qui peut être plus rapide, un petit peu d'ailleurs aussi comme dans le CT, où dès les premières séances, les patients peuvent vraiment nous décrire être soulagés de leurs idées suicidaires. Et puis il y a cette particularité où le patient est soulagé après la séance, il y a une espèce d'allègement de la douleur morale qui peut, ensuite la dépression peut revenir, et puis c'est au fur et à mesure de la répétition des séances que la dépression va s'améliorer. Mais pour le patient, faire l'expérience d'un moment où il se sent mieux, lui redonne aussi l'espoir, c'est possible. Les choses peuvent être vues différemment et réenclenchent l'espoir dans le traitement. Ça, c'est un élément aussi extrêmement important. Alors, les profils de tolérance extrêmement particuliers, on l'a vu ce matin avec les quatre principaux effets secondaires qui sont la dissociation, l'hypertension, la sédation et puis plus théorique pour moi, l'abus de substances. Alors la dissociation, d'abord, elle est dans sa fréquence, elle est variable d'un sujet à un autre. Hein, elle est présente chez à peu près un tiers des patients. Mais le vécu, la façon dont les patients la vivent est aussi extrêmement variable. Quand les patients ont été préparés, bien accompagnés, la plupart du temps, ça peut être plutôt agréable, avec un vécu plutôt hédonique, hein, plutôt l'impression de planer, de voir des couleurs, des changements autour d'eux. Mais parfois, le vécu est angoissant. Et je dirais, c'est particulièrement vrai pour les patients qui ont des antécédents traumatiques, hein, pour lesquels ils ont déjà pu faire l'expérience de la dissociation et associée à quelque chose d'angoissant et un traumatisme. Pour ces patients-là, ce n'est pas une contre-indication du tout, mais il faut plus particulièrement les accompagner. Nous, ce qu'on fait à Sainte-Anne, c'est que la première séance, les premières séances, les patients sont accompagnés avec un soignant qui reste avec eux et qui les rassure. Une façon aussi de préparer avec des lumières plus douces. Le patient doit être aussi bien installé et prévenu. Et ça permet de, en général, que ça se passe, cette dissociation se passe bien. Environ, ce maximum, ça dure 1 heure et demie. Parfois, certains patients, en 10 minutes, la dissociation est partie. Donc, ça peut être très court. Et le maximum, c'est autour de 1 demi-heure, 40 minutes. Certains ont proposé, hein, ça s'est vu pour la kétamine, mais maintenant ça se propose aussi pour l'esquétamine, de pouvoir profiter de ces moments de dissociation, peut-être pour proposer un travail psychothérapeutique. Pour l'instant, il n'y a pas encore de données bien solides sur ça, sur la esquétamine assistée de psychothérapie. Et puis il y a une question de la valeur pronostique de cette dissociation. Est-ce que quand on a plus d'effets dissociatifs en aigu, on va répondre plus favorablement à la cure de l'esquétamine? Les résultats sont dans la littérature. Il y a 5 études qui ont été fait réaliser. Deux montrent qu'il y a une corrélation. Peut-être un intérêt, finalement, cet effet dissociatif pourrait être intéressant, mais ça, c'est encore quelque chose qui devra être vérifié, ou en tout cas une donnée qui doit être consolidée. Alors, l'hypertension artérielle, alors elle est peu fréquente, à vrai dire, pour avoir des chiffres qui deviennent embêtants et médicalement dommageables. Plus fréquente si j'ai sujet âgé. J'ai plus souvent eu des hypertensions avant de démarrer, qui fait qu'on doit attendre que le patient aille mieux, voire même prémédiquer pour que la tension des patients redescende. Mais en tout cas, ça va contre-indiquer les patients qui sont à risque hypertensifs, soit parce qu'ils ont des antécédents anévrismaux, soit parce qu'ils ont fait un infarctus récent, soit parce qu'ils ont fait une hémorragie cérébrale. Donc ceux-là, ces patients-là, on va contre-indiquer la esquétamine. Et puis systématiquement, on reprend la tension avant, et puis on reprend la tension 40 minutes au moment du pic, c'est là où on va voir le maximum d'augmentation de la tension artérielle. Alors la sédation, dans mon expérience, elle est toujours bien tolérée. Elle est toujours légère. Elle disparaît complètement en 1 h 30, c'est même plus tôt. En 1 heure, déjà, les patients se réveillent bien. Il faut tenir compte des coprescriptions, on va en reparler. Les coprescriptions de traitements sédatifs vont favoriser cette sédation. C'est pour ça que les patients doivent être allongés ou dans un lit ou dans un fauteuil confortable, si jamais ils étaient sédatés, pour ne pas chuter. Et donc, ils sont surveillés sur cet état de sédation. Et enfin, la question de l'abus, c'était un point important dans le développement de ce produit. C'est pour ça que c'est une délivrance qui n'est que hospitalière, avec une législation autour des stupéfiants, des coffres pour le circuit, et c'est vraiment tracé le circuit de la esquétamine. Et puis dans les flacons ensuite, c'est vraiment une quantité minimale qui reste
Hein, donc, il n'y a pas un risque détournement des flacons utilisés. Bon, j'ai pas de, dans les patients, dans les nombreux patients qu'on a traités, je n'ai pas vu de patients qui aient ensuite voulu s'automédiquer, hein, comme on peut voir, ce n'est pas tout à fait les mêmes, probablement les mêmes populations qui vont aller chercher les produits en Uber Drugs que les patients. Alors, un petit peu l'expérience des patients qui ont été traités à Sainte-Anne, donc avec deux cohortes, enfin deux groupes de patients, c'est des études rétrospectives, hein, sur des patients qui étaient soignés en soins courants. 50 patients dans un service, peut-être certains connaissent, c'est la CMME, qui ont mis en place un dispositif d'hôpital de jour pour accueillir les patients, avec une salle, des fauteuils confortables. Les patients sont accueillis avec plusieurs séquences par jour pour accueillir le maximum de patients possible. Donc 50 patients, et puis le SHU qui, on avait recruté 55 patients. Donc ça, c'était des études en vie réelle. Et on a essayé de regarder dans ces données si on pouvait, en analyse de classe latente, repérer des profils de répondeurs ou de non-répondeurs et voir quels étaient les facteurs qui pouvaient influencer la réponse ou la non-réponse à la esquitamine. Et vous voyez vraiment en rouge les non-répondeurs, en noir les répondeurs. Dans les figures en haut, ce sont les patients du premier groupe, au SMME, et en bas au SHU. Les patients au SHU avaient la particularité des patients plus sévères, en particulier avec des niveaux de résistance qui étaient beaucoup plus élevés. Ce qui est intéressant aussi, c'est que contrairement aux études développées par le laboratoire, parmi ces patients déprimés, il y avait aussi des patients qui souffraient de dépression bipolaire. Environ un tiers des patients avaient une dépression bipolaire. On va voir pourquoi c'est important. Quand on poule toutes les données, on avait environ un peu plus de 50% de patients répondeurs et un tout petit peu moins de 40% de patients en rémission, avec comme ça deux groupes de patients qui se distinguaient avec des trajectoires très différentes. Et alors, ce qui était intéressant, c'est qu'on montrait que les facteurs qui avaient une influence sur la réponse, eh bien, c'était la coprescription de benzodiazépines. Ça, c'est vraiment important. Les benzodiazépines semblent vraiment altérer la réponse à l'esquitamine. Si les patients avaient des antécédents de CT, la réponse était aussi altérée, mais on peut bien comprendre pourquoi. Hein. C'est vraiment les patients les plus résistants. Donc, on a forcément moins de chances d'avoir un traitement qui peut fonctionner. Et alors, l'autre élément extrêmement important, c'est que les patients qui avaient un trouble bipolaire, qui étaient traités par ou qui étaient traités par lithium, eh bien, étaient particulièrement bons répondeurs. Et ça, c'est vraiment peut-être un message important. La dépression bipolaire, et ça, c'est vraiment notre expérience, particulièrement bonne répondeuse à l'esquitamine. Je vais en reparler. Une autre surprise, c'est que les patients avec un abus de substance étaient aussi des patients qui favorisaient d'être plutôt dans les bons répondeurs, en classe 1, que de ne pas être répondeurs. Ça, c'était plutôt pas attendu. Et donc, c'est vraiment, du coup, pas un warning. Il ne faudrait pas s'empêcher de proposer à un patient qui souffre de dépression résistante et d'abus de substances, il ne faut pas s'empêcher de lui proposer la esquitamine. Et puis enfin, l'autre élément, c'est que la réponse précoce, après seulement deux séances de esquitamine, eh bien, était vraiment très fortement prédictive de la réponse à trois mois à la esquitamine. Donc ça, c'est aussi, il y a des patients qui vont prendre plus de temps pour répondre, hein, mais des bons répondeurs rapidement, ça, c'est vraiment très favorable. Alors, avec cette étude et puis aussi d'autres études, vraiment, je réinsiste sur l'intérêt dans le trouble bipolaire. Les symptômes mixtes aussi, dans d'autres études, ont été montrés comme étant favorables à la réponse à l'esquitamine. Alors, on sait que la mixité de l'humeur est particulièrement difficile à traiter. Donc là, c'est vraiment intéressant. Les patients qui ont une anhédonie sévère, une anxiété sévère, une activité professionnelle, pour ça, c'est le plus attendu. Hein, ceux qui ont moins de facteurs sociaux aggravants vont répondre plus favorablement. Et puis la question de la dissociation qui reste un petit peu en suspens. Et je réinsiste hein, sur les benzodiazépines qui semblent vraiment défavorables à la réponse à la esquitamine. Alors, il arrive que les patients rechutent hein, après lorsque l'on fait la phase d'entretien. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Assez vite, à Sainte-Anne, on a reproposé, un peu comme dans le modèle de l'ECT, de refaire des phases d'induction. On rapproche
les séances, on reprend une phase d'induction et ensuite on réespace. Et souvent, ça, c'est avec une efficacité. Et ça, ce sont des données de réanalyse de l'étude de Sustain 3 qui démontrent aussi, en ce sens, l'intérêt de pouvoir refaire des phases d'induction chez des patients qui auraient rechuté. Donc, je reprends mon petit focus sur le trouble bipolaire parce qu'on n'a quand même pas beaucoup d'outils dans le traitement de la dépression bipolaire. C'est quand même une difficulté majeure dans la prise en charge et un objet de recherche pas tellement développé. Il y a peu de virages dans les études, ça c'est aussi important à connaître. Il y a peu de virages dans l'esquétamine. On en a eu, mais souvent peu intense, peu sévère. Alors c'est des patients sous antidépresseurs qui avaient fait vraiment des virages de l'humeur extrêmement sévères, pour le moment parce qu'on arrête, on fait qu'une séance et on suspend, hein, on fait que deux séances par semaine. Et voir chez certains patients, on a même pu s'interroger sur l'effet même thymorégulateur des patients qui faisaient plusieurs épisodes par an, hein, qui étaient même des cycles ultra rapides, et bien qui ont espacé grandement les rechutes. Donc ça, c'est un point d'interrogation, mais il faudrait l'étudier. En tout cas, c'est mon impression d'un signal clinique que l'on peut avoir. Il y a aussi un travail qui a été mené par les collègues à Rouen sur la dépression associée au syndrome de stress post-traumatique, dont on sait habituellement que cette comorbidité va entraîner plus de résistance et moins de réponse à un traitement par ISRS ou IRSNA. Alors que là, dans des études sur l'esquétamine, il semblerait qu'il n'y ait pas moins que le fait qu'il y ait une comorbidité PTSD n'oblitère pas la réponse. Dans l'étude de Maud Rotarmel, 11 patients, c'est une étude pilote en ouvert, mais 11 patients qui avaient une dépression résistante et un PTSD ont bénéficié de séances de esquétamine. Il y avait 9 femmes et 2 hommes. Et non seulement les patients sont améliorés, comme on peut voir avec les scores de MLRS, qui sont passés en moyenne de 38 à 18, et bien ils ont eu 7 répondeurs et 3 rémissions, mais en plus, il y a une réduction des symptômes de PTSD, l'intensité des symptômes d'environ 45%. Et puis, sur ces patients-là, il y a aussi une évaluation de la suicidalité qui était aussi diminuée. Ce n'est pas une étude randomisée contre placebo, mais en tout cas, c'est un signal intéressant peut-être pour aller pousser plus loin la question et la place de la esquétamine dans le traitement de la comorbidité dépressive et du PTSD. Donc on l'a peut-être dit un peu tout à l'heure déjà, que la esquétamine, c'est un inhibiteur non compétitif des récepteurs NMDA, ce qui va en fait augmenter la libération de glutamate, ce qui va activer les récepteurs AMPA, et qui par une cascade va entraîner une augmentation de facteurs neurotrophiques comme le BDNF, et va augmenter la synaptogénèse. Donc, je vous avais dit que le stress chronique, les dépressions chroniques, et puis la durée de dépression allaient avoir un impact défavorable sur la neurogénèse, en particulier au niveau de l'hippocampe. Donc ça, c'est un des mécanismes d'action particuliers de la esquétamine. Et il y a Sainte-Anne, je mène une étude avec David Attali pour comparer les effets cognitifs et les effets en imagerie des ECT et de la esquétamine avec des patients qui ont bénéficié d'une cure d'ECT et qui ont un bilan cognitif avant, après 5 séances et à la fin d'une cure, et puis des imageries assez parallèles, assez 3 temps. Et on mène la même chose chez des patients qui ont un schéma thérapeutique très semblable en termes de temps et d'espacement dans le temps, puis avec l'esquétamine, et puis avec un groupe de patients contrôle qui bénéficient aussi d'une imagerie. Et dans une étude pilote de Connect, on avait pu montrer, en analyse cerveau entier, que des patients qui bénéficiaient d'ECT voyaient les volumes des hippocampes augmenter, et pas de façon marginale, parce que les volumes augmentaient de 5% après une cure d'ECT. Alors, on sait chez l'animal que ce n'est pas de l'œdème, parce que chez l'animal qu'on peut sacrifier, on peut voir que les électrochocs chez les souris vont entraîner une augmentation du nombre de neurones, du nombre de synapses, de l'arbre dendritique, de l'angiogénèse aussi, de la gliogénèse autour des neurones, et que c'est si on, par mécanisme pharmacologique, si on bloque cette neurogénèse, on va aussi bloquer l'efficacité des électrochocs. Donc la question, je n'ai pas encore les résultats, mais on mènera la même étude chez les patients qui bénéficient de l'esquétamine et voir si on a un impact sur la morphométrie ou sur des paramètres de morphométrie des hippocampes chez les patients
qui bénéficient de esquitamine. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, docteur Marion, pour votre présentation très intéressante, riche et claire. Et je pense qu'on va prendre des questions aussi, professeur Bélé. Merci, bravo. Je suis patient envoyé. Donc, pas les moyens d'acheter en vif. Ah non, je suis pas pareil. C'est très intéressant. Il y a deux choses que moi je perds, c'est une fois de ces éléments de dissociation au sens anglo-saxon, c'est-à-dire de décorporation, dépersonnalisation, dépersonnalisation, ce vieux syndrome souvent mal utilisé. D'abord, ça me rappelle ce qui se passe dans les cures chamaniques dans l'Amérique latine, où sous l'ayahuasca, accompagné par le chaman, ce qu'ils essayent de faire, de la décorporation, la réincorporation guidée par le chaman dans des conditions, ceux qui savent, c'est dans des lieux qui fait très chaud, probablement la chaleur permet aussi de pouvoir se recorporer de façon plus intéressante. J'en ai beaucoup discuté d'une socio-anthropologue colombienne qui avait pratiqué comme expérimentation tout ça. Et quand tu dis que c'est ceux qui pourraient peut-être répondre le mieux, ça voudrait dire qu'on reproduit finalement peut-être quelque chose qui se pratiquait là-bas et que les cures accompagnées, comme ça se développe aux États-Unis, enfin, le temps de le développer, avec la psilocybine, serait sans doute à codifier. C'est d'autant plus intéressant que les benzodiazépines empêchent l'action, que les benzodiazépines, c'est anti-anxiété, et que la déréalisation, finalement, c'est un symptôme dit d'anxiété. Alors, je voulais juste avoir un commentaire là-dessus. Non, c'est vraiment intéressant de savoir si le vécu phénoménologique des patients, c'est un by-product de choses neurobiologiques qui, de toute façon, se passeraient, ou c'est un élément essentiel dans le rétablissement du patient. Ça, je pense que c'est pour ça que les études de neurosciences sont si importantes. C'est plus pour la psilocybine, d'ailleurs, que tout ce... Alors, est-ce que c'est un folklore? Est-ce que c'est indispensable? Est développé, moins pour l'esquétaline. Mais est-ce vraiment nécessaire? Je pense que les études, notamment sur la psilocybine, ne se risquent pas à le tester, ça. Et pourtant, ça paraît important, notamment dans ce que tu disais, pour mettre en perspective sur la quête de sens. Ce n'est pas une attente sociétale plus qu'une vraie nécessité. Pas d'autres questions? Bon, je pense que ça a été très clair, la présentation. Alors, merci beaucoup. Et on passe au troisième thème, qui est la neurobiologie, facteur prédictif de la crise suicidaire. Et je donne la parole au professeur Aboubakr Hestine, qui est professeur de neurosciences à la faculté de sciences de Trinitra. Vous avez la parole. Merci pour cette présentation. Je remercie les organisateurs de ce congrès, professeur Mounes et professeur Sian Belbachir. C'est un grand plaisir pour moi de faire cette présentation devant des spécialistes de psychiatrie, moi-même qui n'ai pas psychiatre ni psychologue, donc je suis un biologiste. J'ai fait des études d'endocrinologie et de neurosciences. On travaille sur les animaux, on ne travaille pas sur les humains, principalement sur des modèles de beaucoup de pathologies psychiatriques et d'adversité précoce, les infections postnatales, le stress postnatal et les effets à long terme sur tout ce qui est comportemental et émotionnel. Donc je tiens à préciser cela parce que je me sens comme un intrus
entre des spécialistes et des cliniciens. Mais je vais essayer quand même d'apporter ma petite expérience concernant donc, les bases neurophysiologiques, neuroscientifiques des troubles du comportement général et des comportements suicidaires. Donc j'ai changé le titre, donc j'ai remplacé tout ce qui est prédictif parce que je pense que c'est trop ambitieux de pouvoir prévoir une crise suicidaire. Donc je vais parler des facteurs de risque des crises suicidaires au lieu de parler des facteurs prédictifs. Donc il y a une première partie concernant les données épidémiologiques. Je ne vais pas m'attarder parce que vous les connaissez mieux que moi. Je vais passer peut-être très rapidement sur cette première partie pour aller à tout ce qui est neuroanatomique. On va commencer d'abord par tout ce qui est neuroanatomique et on va essayer de voir comment se fait l'évolution en fonction des facteurs de risque à partir de la vie très précoce en pré et en postnatal. Comment se fait cette évolution vers les dysfonctionnements cellulaires, neuroanatomiques, comportementaux, émotionnels, etc., qui peuvent aboutir à des comportements suicidaires. Et s'il me reste un peu de temps, je vais parler de bases cellulaires, moléculaires, de ces comportements. Bien sûr, je ne vais pas être réductionniste. Donc le comportement, l'émotion, la motivation, ce n'est pas seulement le cerveau, mais c'est également le cerveau. Donc le cerveau est une composante indispensable et importante à étudier pour comprendre déjà la physiologie de ces manifestations biologiques et ensuite pour comprendre ce qui se passe lorsque ça ne va plus. Donc je pense que la question qui a été posée par William James en 1884 concernant qu'est-ce qu'une émotion, je pense que le problème reste posé jusqu'à aujourd'hui. Parce que l'émotion, ça comporte la partie objective, observable et mesurable. Comportement, augmentation de la pression artérielle, augmentation du cortisol, etc. Mais une partie subjective que seul le patient peut exprimer et qu'il est difficile d'appréhender dans les modèles animaux. Donc les données de l'épidémiologie, je ne vais pas m'attarder comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc en gros, je pense que les facteurs de risque les plus importants, ce sont les troubles psychiatriques, la prise de drogue, la prise d'alcool, les maladies chroniques. Il y a un dimorphisme sexuel, il y a plus de tentatives chez les femmes que chez les hommes, mais les hommes réussissent mieux. Donc les tentatives suicidaires sont plus fatales chez les hommes que chez les femmes. Elles sont très fréquentes chez les adolescents. C'est la deuxième cause de mortalité chez les jeunes. Donc je ne vais pas m'attarder trop sur cette partie-là parce que je pense que je n'aurai pas le temps de développer les autres aspects. Donc il y a des facteurs génétiques également. Donc, beaucoup de gyroses ont porté sur tous les gènes qui sont associés à la production anaérobique de l'énergie, les gènes de l'horloge et le catabolisme de la tyrosine. Des méthylations réduites également dans le cortex préfrontal d'une protéine qu'on appelle la SKA2, qui est impliqué dans la réponse au cortisol, des micro-ARN également qui sont sous-exprimés dans certaines régions du cerveau, et enfin une hyperexpression du TNF-alpha qui est une cytokine pro-inflammatoire, donc ce qui pourrait relier la neuroinflammation aux dysfonctionnements cérébraux et aux problèmes de comportement. Donc je passe donc au substrat anatomique des comportements suicidaires. Donc sur ce schéma, vous avez les structures les plus impliquées dans les crises suicidaires. Il y a des structures médianes, c'est-à-dire qui sont proches de la ligne médiane. Donc pour l'orientation du cerveau, donc tout ce qui est médian, c'est tout ce qui est proche de la ligne médiane. Tout ce qui est latéral, c'est à l'extérieur. Et tout ce qui est dorsal, c'est au-dessus. Et tout ce qui est ventral, c'est en bas. Il y a plusieurs régions qui sont très importantes. Il y a le cortex préfrontal avec ses différentes parties. Donc la partie dorsale médiane et la partie dorsale latérale. Elles sont impliquées dans la prise de décision, dans la mémoire de travail,
dans la régulation top-down. Et puis vous avez la partie ventrale, c'est le cortex ventromédian et ventrolatéral, qui sont plutôt liés à la régulation de l'émotion, l'évaluation des récompenses, à tout ce qui est motivation. À côté de ces structures du cortex préfrontal, vous avez d'autres structures, médianes également, le thalamus bien sûr et le striatum, et l'insula qui intervient également. Et puis vous avez des structures postérieures, sans oublier bien sûr l'hippocampe et l'amygdale, qui sont des structures qui sont très impliquées dans tout ce qui est émotionnel et tout ce qui est motivationnel. Donc en gros, pour le cortex préfrontal dorsal, donc vous avez, c'est une région qui est responsable de la régulation des émotions et du comportement, dans la flexibilité cognitive et dans la prise de décision. Par contre, la partie ventrale du cortex préfrontal, c'est plutôt l'évaluation des émotions générées en interne, évaluation du passé et de la projection dans le futur, le traitement des récompenses, c'est-à-dire l'évaluation de la valeur des récompenses, contrôle cognitif, y compris la réponse aux émotions et la réponse à des stimuli émotionnels et motivationnels. Donc, ce qui a été démontré, c'est que lorsqu'il y a des dysfonctionnements au niveau du cortex préfrontal ventral, c'est plutôt la genèse des idées suicidaires. Donc, cette partie du cortex préfrontal est liée à tout ce qui est homéostasie, à tout ce qui est émotionnel, à tout ce qui est motivationnel. Donc, on pense que c'est là que les idées en général sont élaborées, et en particulier les idées suicidaires. Par contre, concernant le cortex préfrontal dorsal, c'est plutôt la tentative suicidaire. Donc, vous avez une région qui est responsable de l'élaboration des idées en général. C'est le cortex préfrontal ventromédian et ventrolatéral. Mais ces idées suicidaires doivent d'abord être contrôlées par une autre région du cortex préfrontal. C'est le cortex dorsolatéral, préfrontal dorsolatéral. C'est là où il y a la prise de décision, il y a la mémoire de travail et les fonctions exécutives. Donc lorsqu'il y a le dysfonctionnement dans cette région-là, on passe des idées suicidaires, on pense qu'on passe des idées suicidaires aux actes suicidaires. Et bien sûr, lorsque les régions du cortex préfrontal, c'est-à-dire la région ventrale et la région dorsale, dans ce cas-là, le risque de suicide est extrêmement élevé. Donc, d'autres régions qui sont impliquées également, c'est le cortex singulaire avec deux parties. La partie dorsale qui est liée plus à tout ce qui est cognitif. Donc, on peut dire qu'elle rejoint un petit peu le cortex dorsal, le cortex préfrontal dorsal. C'est l'évaluation des actions, l'adaptation du comportement, la prise de décision basée sur les récompenses. Par contre, le cortex singulaire ventral, donc il est impliqué dans l'évaluation et le contrôle des signaux viscéraux, donc tout ce qui est viscéral, va remonter par le système nerveux autonome, et à travers plusieurs relais, il va terminer au niveau du cortex singulaire, mais également de l'insula. Et ces données qui proviennent de la viscéroception vont influencer cette structure qui est le cortex singulaire dorsal. Donc le cortex singulaire ventral, donc il est impliqué dans le contrôle des signaux viscérosensoriels autonomes et la modulation des réponses physiologiques au stress et l'évaluation des sentiments internes. Donc l'autre région qui est très importante, c'est l'insula. Donc c'est le cortex qui répond également tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est viscéroception également. Il y a un relais entre, si vous voulez, le milieu intérieur et le cortex préfrontal. Il répond également aux états internes positifs et négatifs, y compris la douleur émotionnelle et d'autres types de douleurs. Donc il permet également la compréhension et le partage des émotions des autres, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'empathie. Donc bien sûr, lorsqu'il y a des dysfonctionnements au niveau de cette région, en fonction des troubles psychiatriques, ça peut provoquer soit une augmentation des idées suicidaires ou bien des tentatives de suicide. Alors, il y a d'autres régions qui sont impliquées également, comme je l'ai signalé au début. Donc, il y a le striatum avec ses subdivisions. Il y a l'amygdale et l'hippocampe.
Et puis, vous avez les aires associatives, vous avez le cervelet, vous avez le cortex moteur. Donc, toutes ces structures, avec les connexions qui existent entre ces structures, vont permettre d'intégrer des informations concernant la vie, ses réceptions, c'est-à-dire l'état interne de l'individu, l'émotion, la motivation, la condition pour aboutir enfin à l'action. Donc, tout comportement, bien sûr, il est déterminé par beaucoup de paramètres, donc des paramètres endogènes, des paramètres exogènes qui suscitent des émotions, de la motivation, de la cognition avant de passer à l'action. Et ces structures sont organisées en des boucles qu'on appelle des boucles cortico-striato-thalamo-corticales, c'est-à-dire on commence par le cortex, on passe au niveau du striatum, le pallidum, le thalamus et on revient au cortex. Et en fait, 7 boucles cortico-striato-thalamo-corticales, mais il y en a 3 qui sont extrêmement importantes, qui répondent à différentes étapes de la prise de décision et de la genèse du comportement. Donc la dernière, c'est la partie sensorio-motrice. Je pense que c'est la boucle classique du système extrapyramidal qui est impliqué dans la maladie du Parkinson. Mais avant d'arriver à tout ce qui est moteur, pour avoir accès à la motricité, au système moteur, vous avez plusieurs étapes. Parmi les plus importantes, celle qui est élaborée au niveau du système limbique, c'est la seule région de ces différentes boucles qui est liée directement à tout ce qui est motivationnel et émotionnel et vice-réception. Vous avez des informations émotionnelles, vous avez des informations motivationnelles, en général qui proviennent du milieu extérieur, avec l'état interne de l'individu. Bien sûr, on ne répond pas à une récompense lorsqu'on a faim ou là lorsqu'on est en satiété. Donc, on répond différemment en fonction des états internes. Et c'est au niveau de cette boucle-là, cette première boucle, que toutes ces informations sont centralisées. Il va y avoir la prise de décision. Et vous avez donc le cortex, c'est le cortex ventral, ventromédian principalement. Au niveau du striatum, c'est le striatum ventral, avec le noyau accumbens, qui en fait partie. Et au niveau du mésencéphale, l'origine de la dopamine, qui est un neurotransmetteur extrêmement important dans la motivation et dans l'émotion également, c'est l'aire tegmentale ventrale, et non pas la substance noire comme c'est le cas dans les autres régions. Et l'aire tegmentale ventrale va projeter des fibres dopaminergiques au niveau du striatum, au niveau du noyau accumbens, et au niveau du cortex préfrontal, ventral et dorsal d'ailleurs. Et puis vous avez une structure qui n'est pas mentionnée c'est le pallidum ventral. Donc c'est une petite structure qui n'est même pas visible dans l'imagerie cérébrale, mais qui est une structure extrêmement importante dans la détermination du comportement motivationnel et du comportement émotionnel. Donc cette petite structure a un accès direct au système moteur et elle peut déclencher des comportements impulsifs de sorte de réflexe vis-à-vis de certaines récompenses comme les drogues par exemple, l'alimentation, ou d'autres types de... Donc au niveau de cette boucle limbique, on pense qu'en fait il y a, en fonction comme j'ai dit, des états, de l'état émotionnel, de la motivation, de l'état interne de l'individu, et de la cognition, il va y avoir la genèse des idées suicidaires. Donc c'est là où on peut parler peut-être d'envie. Donc je vois une récompense et j'ai envie de m'approcher de cette récompense et de l'attraper, de l'utiliser, de la consommer. Mais toute idée suicidaire ne déclenche pas le comportement. Qui est élaboré au niveau de cette boucle motivationnelle émotionnelle ne déclenche pas automatiquement le comportement. Pourquoi? Parce qu'il y a une boucle intermédiaire, c'est la boucle associative cognitive qui est constituée au niveau du cortex par le cortex préfrontal dorsolatéral. C'est le cortex de la prise de décision, de la décision des comportements délibérés, de la mémoire de travail, qui est associé avec le noyau codé au niveau du striatum, la substance noire et le pallidum interne. Et c'est au niveau de cette région que les idées suicidaires vont passer, donc l'examen pour passer à la motricité qui est donnée par le cortex, par la boucle, la dernière boucle, qui est la boucle sensorio-motrice. Donc, les idées suicidaires qui sont générées
par les dysfonctionnements au niveau de cette région-là, au niveau de cette boucle-là, peuvent être transformés en comportements suicidaires après le passage par la boucle cognitive et associative qui va valider ces idées suicidaires et donner l'acte suicide. Donc, quelles sont les étapes du développement de ce dysfonctionnement de ces différentes régions? Donc, il y a plusieurs types de facteurs. Il y a des facteurs distaux qui sont précoces. Ce sont des facteurs génétiques qui sont très diversifiés et très complexes. Et puis, vous avez tout ce qui est adversité précoce, qu'elle soit en prénatal ou bien en postnatal. Donc, c'est le stress, c'est les infections, c'est l'isolation. L'isolation maternelle, et la mère joue un rôle extrêmement important par les informations sensorielles qu'elle va fournir au bébé, donc la voix de la mère, le visage de la mère, l'odeur de la mère, la chaleur de la mère. Toutes ces informations sensorielles sont extrêmement importantes pour le neurodéveloppement. Et lorsqu'il y a un déficit de ces informations sensorielles, le développement cérébral va se faire d'une façon anormale et les répercussions vont se manifester durant l'adolescence ou bien durant l'âge adulte. Donc, en plus de ces facteurs précoces, il y a des facteurs intermédiaires. Donc, c'est le stress à répétition qui va provoquer des modifications épigénétiques, qui va faire que certains gènes vont se surexprimer, d'autres vont se sous-exprimer. Et ça va provoquer un problème au niveau du fonctionnement cellulaire, du fonctionnement des structures, du fonctionnement du cerveau dans sa globalité et du fonctionnement de l'individu. Donc il y a des dérégulations des systèmes biologiques, comme l'axe corticotrope, avec une sécrétion exagérée du cortisol, des problèmes au niveau de la sérotonine, de l'inflammation, une hyperactivation de la microglie, et tout ceci va provoquer des modifications structurelles au niveau du cerveau, c'est-à-dire des atrophies, des diminutions du volume, des structures dont j'ai parlé tout à l'heure, dans le cortex préfrontal, l'insula, le cortex singulaire, le striatum, l'amygdale et l'hippocampe, et tous ces facteurs vont donner des dérégulations, le contrôle des émotions, le désespoir, des problèmes de mémoire de travail, des problèmes d'inhibition des comportements, de l'anxiété et de mauvaises décisions. Donc ceci va aboutir à des crises psychologiques, des troubles mentaux, avec la genèse d'idées suicidaires, ce qui peut donner donc des crises suicidaires et des tentatives de suicide carrément. Donc, parmi les expériences que nous réalisons au niveau de notre laboratoire, donc des adversités précoces, donc un traitement par le LPS en postnatal chez des rats, des ratons, et à l'âge adulte, on détermine le niveau de dépression. On constate que cette injection postnatale, une seule injection du LPS en postnatal, peut donner donc un comportement dépressif à l'âge adulte. Ça donne également une hyperactivation de la microglie. Donc la microglie, ce sont les cellules immunitaires du cerveau. Et lorsque ces cellules sont hyperactivées, il y a la libération des cytokines pro-inflammatoires, du stress oxydatif, une diminution des facteurs neurotrophiques, ce qui va provoquer donc une diminution du fonctionnement cérébral. Le stress chronique provoque également, ça a été mentionné tout à l'heure, une diminution, une atrophie de l'hippocampe, avec une atrophie des neurones pyramidaux, une altération de la morphologie, une diminution du volume total de l'hippocampe, une altération de la signalisation glutamatergique et monoaminergique en général, réduction de la densité synaptique, réduction de l'expression des facteurs neurotrophiques et perte de cellules gliales. Donc on sait que l'hippocampe avec le cortex préfrontal, comme on va le voir, ce sont deux structures qui contrôlent l'amygdale et qui contrôlent l'axe corticotrope et permettent donc d'atténuer les effets du stress. Concernant l'amygdale, c'est l'inverse qui va se passer. Donc suite à un stress précoce, c'est plutôt une augmentation de l'amygdale. Dans ce cas-là, c'est l'amygdale basolatérale. Des adolescents et chez des adultes qui ont subi un stress précoce, ce qui provoque une augmentation de la taille de l'amygdale dans les conditions de stress. Là aussi, chez des enfants qui ont été abandonnés,
Donc, on a comparé la taille de l'amygdale chez des enfants qui ont été adoptés d'une façon précoce. Donc, vous voyez, la taille de l'amygdale est presque normale. Par contre, chez les enfants qui ont été adoptés tardivement, la taille de l'amygdale a augmenté énormément. Et on sait que l'amygdale, c'est l'origine de l'axe du stress, de l'activation de l'hypothalamus, du cortex surrénalien et de la libération du cortisol. Donc, pour récapituler, donc le stress chronique provoque une diminution de l'expression du BDNF, qui est un facteur neurotrophique, avec une diminution de la plasticité neuronale, de la survie neuronale, de la neurogénèse également, une augmentation de la mort neuronale au niveau de l'hippocampe, au niveau du cortex préfrontal, avec une atrophie de ces structures, ce qui va donner une hyperactivité de l'amygdale. Et cette hyperactivité de l'amygdale va, par un feedback positif, va davantage réduire le taux du BDNF et se répercuter sur toutes ces manifestations, ce qui va donner donc un cercle vicieux qui va donc aboutir enfin à des idées suicidaires qui peuvent donner donc des tentatives de suicide. Donc sur ce schéma, vous avez les voies de signalisation qui sont impliquées dans le BDNF. Donc, je ne vais pas détailler bien sûr toutes ces voies, mais toutes ces voies vont aboutir à la neuroplasticité, à la survie des neurones, à la plasticité neuronale, à l'augmentation des neurones et l'augmentation du nombre d'épines dendritiques, ce qui permet bien sûr à la structure, que ce soit l'hippocampe ou bien le cortex préfrontal, d'exercer un contrôle pertinent sur l'amygdale et de contrôler le stress. Donc voilà un schéma plus global avec lequel je vais terminer. Donc le stress chronique avec les adversités précoces et une vulnérabilité génétique va agir sur le cortex préfrontal, le gyrus singulaire et l'hippocampe. Le contrôle de l'amygdale va diminuer, donc l'amygdale va s'hypertrophier, elle va devenir hyperactive sous l'effet du stress également. Mais également des facteurs génétiques. Donc, l'amygdale a un accès au système moteur. Elle peut déclencher directement, par voie réflexe, des comportements émotionnels. Donc, il s'agit en général de la fuite et du combat. Le suicide, c'est une question que je pose. Est-ce que le suicide est une sorte de réaction émotionnelle qui est déclenchée, surtout le suicide impulsif? Comme une réaction émotionnelle. Donc l'amygdale va agir sur le système nerveux autonome également. Elle va agir sur tout ce qui est cardiovasculaire, métabolisme, l'immunité, le système endocrinien. Donc tout ceci va générer des données de la viscéroception, donc des données de l'état interne, qui va se répercuter sur l'insula et le gyrus singulaire, et en définitive sur le cortex préfrontal et sur l'hippocampe. D'autre part, l'amygdale va activer l'axe corticotrope avec une augmentation du taux de cortisol, qui va agir également sur le milieu intérieur, mais également par feedback négatif, il va agir sur l'amygdale, sur l'hippocampe et sur le cortex préfrontal. Donc, il traverse la barrière hématoencéphalique, il va induire des effets normalement positifs lorsqu'il s'agit d'un stress aigu, mais lorsqu'il s'agit d'un stress chronique, le cortisol est extrêmement délétère vis-à-vis des structures cérébrales. Il est mortel pour les cellules de l'hippocampe et pour les cellules du cortex préfrontal. Ensuite, vous avez les centres monoaminergiques avec la libération des monoamines, la dopamine, la noradrénaline, la sérotonine, qui vont agir également sur la viscéroception, sur les régions corticales, l'amygdale et l'hippocampe également. Et tout ceci va avoir un accès au système moteur pour donner donc ensuite, pour donner d'abord des idées suicidaires, pour donner ensuite des tentatives de suicide. C'est la même chose pour l'effet sur le cortex préfrontal, le gyrus singulaire et l'hippocampe, des idées suicidaires, décisions suicidaires, accès au système moteur et comportement suicidaire. Donc, la question qui a été posée il y a plus d'un siècle par William James, qu'est-ce qu'une émotion, reste toujours posée. Donc, tout ce que j'ai présenté, c'est une simplification extrême des données de la recherche qui ont été générées durant plus d'un siècle et qui ont donné des éléments de réponse et qui permettent d'appréhender
avec plus de précision comment se fait l'élaboration du comportement général et comment les dysfonctionnements structurels, cellulaires et anatomiques qui sont générés par des facteurs génétiques et des facteurs de l'environnement, avec un processus neurodéveloppemental anormal qui va aboutir à des troubles psychiatriques. Et parmi les patients qui sont atteints des troubles psychiatriques, certains vont donc adopter des idées suicidaires. Et parmi les personnes qui ont adopté des idées suicidaires, il y a certains qui vont passer carrément à l'acte suicidaire. Donc ça a été la dernière diapositive. Donc je vous remercie pour votre attention. Oui, merci, professeur Hansley, pour cet exposé détaillé, clair, sur des aspects fort complexes qui déterminent le comportement et la cognition et les émotions de l'être humain de manière générale. Nous avons le temps pour quelques questions. Je ne sais pas si, au niveau de la salle, il y a des commentaires ou des questions. En attendant, peut-être... l'apparition de questions. J'aimerais bien poser une question. Vous savez, nous, cliniciens, nous avons, surtout même si on est professeur ou chercheur, nous avons une activité fondamentale qui est la pratique. Alors, c'est beaucoup la rectification que vous avez faite en passant de facteur prédictif à facteur de risque. Et la question que je voulais vous poser, c'est, à votre avis, est-ce qu'il y a quelque chose de précis, de détaillé, qui permet à un clinicien, s'il dispose d'une série d'artefacts, comme l'imagerie, ou le SPECTCAM, ou l'analyse de génome, est-ce qu'il y a quelque chose qui lui permet de dire, ce monsieur-là va, oui ou non, à se suicider? Oh, je pense que déjà les troubles psychiatriques en général, donc la dépression, les troubles bipolaires, la schizophrénie, personnalité borderline, je pense que ça prédispose, déjà ça augmente le risque de tentatives suicidaires. Puis vous avez des données biologiques de l'imagerie cérébrale, comme je l'ai signalé, les atrophies au niveau de certaines régions, du cortex préfrontal par exemple, du gyrus singulaire, de l'insula, de l'hippocampe. Est-ce que c'est spécifique? Ce que vous dites, on peut le trouver aussi pour la schizophrénie, pour les addictions, pour un tel maladie psychiatrique? Bon, les données sont extrêmement complexes, donc il y a beaucoup d'études. Il n'y a pas une synthèse claire sur laquelle on peut se baser pour dire cette personne-là, schizophrène, a une atrophie au niveau du cortex préfrontal dorsal. Donc, elle va développer des crises suicidaires, des idées suicidaires. Donc, c'est des facteurs qui augmentent le risque sans pour autant déterminer d'une façon cause à effet le passage de la pathologie au comportement suicidaire. C'est ça, c'est-à-dire le défi posé à la clinique et à la recherche, c'est parce que l'objectif peut-être d'ici à quelques décennies, c'est d'arriver à trouver quelque chose de beaucoup plus fin pour dire, bon, ce monsieur-là, si on fait une évaluation dans la périnatalité, si on intervient à cet âge-là, on va éviter qu'il soit schizophrène, par exemple. On va faire ça, on va arriver, c'est certain. Mais, à ma connaissance, du point de vue de la recherche actuellement en neurobiologie, il n'y a pas de facteur spécifique pour déterminer si une personne va se suicider ou pas. Ce qu'on sait, par exemple, ce que vous venez de dire, c'est très bien, c'est-à-dire il y a des centres, il y a des neuromédiateurs qui font qu'une personne a un contrôle de soi, il y a l'autre qui ne l'a pas à un certain moment, il y a l'autre qui ne l'a pas tout le temps, il y a des facteurs d'arrêt, des facteurs d'impulsion, et que c'est extrêmement complexe, non seulement pour le suicide, autant pas le suicide, mais pour un tas de pathologies psychiatriques. Enfin, bon, professeur Bayer. Oui, merci pour votre présentation. Et je reviens sur votre diapositive sur striator, enfin, celle qui est assez détaillée, cortex sensorimoteur, decision making.
Je pense qu'elle est applicable en fait à l'ensemble de ce qu'on appelle des troubles ou comportements impulsifs. Elle est totalement, puisque c'est impliqué. Alors, les études sont moins nombreuses, sauf chez les borderline, qui posent eux-mêmes des problèmes en dehors du fait qu'ils sortent des études rapidement, puisqu'ils sont souvent, ils prennent souvent des médicaments ou des drogues. Mais je pense que ça s'applique à l'ensemble des comportements impulsifs. Il y avait une étude d'ailleurs de Larry Siegler qui avait travaillé à New York, qui est probablement retraité, sur les borderline et en IRM fonctionnel, hein, des perturbations au niveau du cortex orbitofrontal. Il y avait aussi une étude assez marrante, si j'ose dire, un japonais qui travaillait à San Antonio, au Texas, un laboratoire de recherche, c'est formidable, et où il avait fait des IRM pas non fonctionnels, des IRM simples, sur plus de 100 sujets qui avaient en parallèle tout simplement une échelle d'impulsivité qui est l'étalon reconnu pour mesurer l'impulsivité. Il avait montré un amincissement du cortex orbitofrontal au niveau de la substance blanche, comme si finalement il n'y avait pas assez de frein, quoi. Même matériellement, c'était assez étonnant. Donc, je pense que ça traduit plutôt la dimension de soubassement impulsif que purement suicidaire. D'autant plus qu'on a beaucoup de difficultés à définir le suicide. Dans la première étude de Marie Asberg sur les suicides violents qui a montré la baisse du taux de 5 HIA dans le LCR, les sujets suicidés, enfin non décédés, hein, elle définissait suicide violent de façon très extensive, mais probablement ça sous-tendait l'impulsivité du geste. Après, vous demandiez est-ce qu'il y a plusieurs comportements impulsifs, suicidaires. Je pense cliniquement qu'on peut effectivement, au moins schématiquement, distinguer les suicides impulsifs qu'on voit chez les borderline, ils se coupent, ils se recoupent, ils prennent des médicaments, etc. Des comportements qui pourraient être considérés comme plus prédateurs envers soi-même, dans ce cas-là, sont des comportements froids chez des déprimés sévères qui vont se cacher, préparer leur suicide, etc. Cependant, malgré tout, dans les suicidés de Marie Asberg, il y avait aussi ce type de patients suicidants. Donc c'est complexe. Voilà. Merci. Eh bien, merci. Merci pour ce rendez-vous. Et je passe la parole à tout le monde. J'ai le plaisir d'accueillir une deuxième fois le professeur Félix Mustafa, qui a beaucoup de mérite, dont je citerai professeur au Centre national pour la recherche scientifique et technique, Araba, chef de service analyse biologique et responsable des collections coordonnées des micro-organismes bancaires, expert en biologie moléculaire, en génomique fonctionnelle et directeur de la plateforme génomique fonctionnelle à l'Université de Strasbourg en France, pour traiter le sujet sur ADN, orientation thérapeutique dans les troubles dépressifs vers le psychiatre individuel de précision. Merci. Toujours je commence avec des petits problèmes techniques et ce matin j'ai oublié de remercier les organisateurs pour l'invitation. Je profite de l'occasion pour le faire. Et en attendant, je ne pourrai proposer qu'en écoutant les trois interlocuteurs avec la dernière question de trois cadres, je pourrais espérer une belle introduction pour le sujet que je vais aborder. En fait, vous m'avez vraiment préparé le terrain pour rentrer dans cette question. C'est des questions sur cette médecine de précision. Peut-on être précisé? Et juste pour donner quelques éléments de réponse en attendant que le problème soit résolu. Effectivement, nous avons énormément de données, que ce soit les données cliniques, les données biologiques, etc. Et donc, il y avait une capacité d'intégration pour pouvoir utiliser justement ces données pour avoir une conclusion qui s'éloigne de plus en plus de la subjectivité. Et là, c'est l'événement actuellement, c'est l'intelligence artificielle, c'est l'intégration, la capacité d'intégration et des combinaisons avec les différents facteurs qui pourraient éventuellement donner une réponse et de dire, avec toutes les données, avec toutes les interactions entre ces différentes données, oui, cette personne va développer, oui, cette personne va être suicidaire. Et donc, nous avons besoin de cette extension de l'intelligence naturelle dans l'intelligence artificielle pour pouvoir analyser. Vous imaginez qu'il vous faut peut-être 20 ans, 30 ans d'expérience, et nous avons vu l'expérience du docteur Bailey sur vraiment les données cliniques, etc. Et vous imaginez que
plusieurs, une centaine d'expériences de cliniciens sont intégrées dans un logiciel ou dans un algorithme. C'est un autre sujet, mais je dis que c'est un élément de réponse, parce que avec notre capacité, on ne peut pas intégrer pour donner une réponse subjective, parce qu'il y a différents paramètres. Mais la capacité de calcul, qui est très 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 forte avec l'intelligence artificielle, dans cette application, je sais qu'il y a pas mal de questions sur le sujet. Ça va me stresser. Alors, il vaut mieux que je reste sur ma présentation. Donc voilà, donc moi je vais vous parler, vous m'entendez bien? Je prends le micro. Donc moi je vais vous parler donc de cette ADN et orientation thérapeutique dans les troubles dépressifs. Et donc l'idée qui a été donnée par les organisateurs, c'est aller vers une psychiatrie individuelle ou bien une psychiatrie de précision. Donc, je vais donc rappeler cette notion de médecine génomique avec cette révolution extraordinaire dans le domaine du séquençage qui va passer vers ce qu'on appelle la médecine personnalisée et de la médecine personnalisée vers une médecine de précision. Déjà trois termes à distinguer. Ensuite, reconnaître comment les technologies pharmacogénétiques peuvent aider en cas d'échec de traitement médicamenteux de la dépression. C'était la deuxième conférence. Et quels médicaments ou quelles conditions nécessitent un test pharmacogénétique préventif? Et si j'ai le temps, je vais explorer les ressources communautaires et les organisations qui offrent des informations sur la pharmacogénomique appliquée à ces traitements. Et donc, je ne vous remercie pas suffisamment les organisateurs pour l'invitation, mais surtout pour intégrer cette composante génétique. Et déjà, une partie de ma mission, c'était la sensibilité des cliniciens vis-à-vis de ce qui se développe autour de cette thématique. On a quelques éléments de réponse, on a des solutions, ce n'est pas des solutions miraculeuses. Il y a des choses qui sont déjà en pratique aux États-Unis et en Europe. Et donc, je me suis dit, si au Maroc, on commence déjà à s'intéresser à la thématique, à lui donner de l'importance, je pense que cela ne peut être que très bénéfique pour les patients et pour les praticiens. Et donc, on est dans la quatrième révolution technologique. D'un côté, vous avez ces développements technologiques extraordinaires. Les biosenseurs, la nanotechnologie, la capacité des ordinateurs, le machine learning, l'intelligence artificielle, blockchain, les mobiles, etc. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a sur le plan des soins? On attend le développement de nouveaux médicaments, de nouveaux dispositifs, améliorer le diagnostic et les équipements. Et au milieu, on va trouver cette révolution qui nous intéresse. Donc, la computational biology, le séquençage des génomes, le design des anticorps, avec l'immunothérapie actuellement, avec les vaccins génétiques. Donc, on peut à façon générer les vaccins. Vous avez l'intelligence artificielle et la radiologie qui commencent à devenir une pratique vraiment de routine, la médecine personnalisée, sans parler bien sûr de la chirurgie pratiquée par des robots. C'est vrai que ce qui est science-fiction aujourd'hui sera une réalité demain. Dans les années 70, il était inimaginable de séquencer le génome humain. Les années 70. Et en 2003, nous avons le génome humain, considéré comme étant la réalisation du 21e siècle. C'est quoi le génome humain? Donc c'est une séquence. Donc nous avons une carte. C'est des outils. Ce sont les techniques de séquençage. Et nous avons une nouvelle discipline qui est la génomique.
Et nous avons un futur qui commence dès aujourd'hui, c'est que le 21e siècle est un siècle de la biologie et une nouvelle ère. Un nouveau paradigme de l'approche médicale va être complètement bouleversé. C'est l'ère de la médecine personnalisée ou bien de la médecine génomique. Tout cela a été possible, comme je dis, ce qui était science-fiction hier est devenu réalité aujourd'hui. Le génome humain a coûté 3,5 milliards de dollars pour arriver à séquencer le génome humain en 2003. Plusieurs pays ont contribué à cette réalisation du siècle. Et de 2003 à 2010, il était question de démocratiser le séquençage et de rendre le séquençage d'un génome humain à moins de 1000 dollars. Et ça a été atteint déjà en 2010. Donc on peut avoir un génome humain à un prix raisonnable. Et tout cela grâce à cette révolution technologique extraordinaire. En l'espace de 15 ans, on est passé de la première génération à la troisième génération de séquenceurs. Ici, on séquence des fragments de gènes, ici, on séquence carrément des génomes, mais la troisième génération de séquenceurs, c'est qu'on séquence les molécules d'ADN molécule par molécule. Et la première conséquence en termes dans le domaine de la génomique, c'est ce sont ces deux cas. Lorsqu'on parle de ces variations génétiques, lorsqu'on parle de ces polymorphismes qu'on va utiliser pour prédire certaines maladies et certains traitements, on s'est basé sur le génome de 2003. Mais ce génome, il était uniquement à 92%. Ça veut dire que 8% de notre génome n'était pas connu. Grâce à la troisième génération de séquenceurs, on est passé au génome qu'on appelle T2T, du télomère jusqu'au télomère. C'est-à-dire, notre génome, en 2020, a été complètement séquencé, mis à part quelques petites taches blanches que vous voyez ici, qui restent à séquencer, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc, tous les variants qu'on a qualifiés de pathogéniques, non pathogéniques ou probablement pathogéniques, vont être revus avec de nouveaux génomes. Quelques notions. Pour étudier, bien sûr, cette génomique, médecine génomique, il y avait des techniques que vous connaissez tous. On peut utiliser la cytogénétique pour voir des aberrations chromosomiques. On peut également utiliser la variation du nombre de copies. Ce sont des délétions qui vont aller de 1000 jusqu'à 1 million de paires de base. Et vous avez les fameux SNV dont on parle actuellement. C'est des changements au niveau d'un seul nucléotide et qui peuvent avoir un impact très important sur l'activité. Donc voici les différents types de variants avec les différentes techniques. Et tout cela, donc cette révolution technologique, et nous sommes maintenant avec un certain nombre de données. Tout à l'heure, professeur Hassani nous a permis de voyager à travers la génomique fonctionnelle pour aller à travers des voies de signalisation, pour avoir l'impact anatomique et fonctionnel au niveau d'un organe qui est le cerveau, et on peut dire la même chose pour tous les autres organes. Et donc vous avez toutes ces variations qui affectent notre génome, et l'ultime objectif, c'est de pouvoir réaliser un polygénic risk score. Au départ, on prend un gène, on regarde dans la population et on fait ces comparaisons et on fait des déductions sur des cohortes qui sont très grandes et on s'est rendu compte de la subjectivité de cette approche. C'est la raison pour laquelle, avec l'ère de la génomique, on peut appliquer donc les variations dans plusieurs génomes pour avoir un score polygénique qui s'approche vraiment de la réalité et c'est loin de la subjectivité. Et c'est juste pour vous dire que lorsqu'on fait la classification des variants, il y a des variants qui sont très rares, mais qui ont une forte pénétrance. Ça veut dire que lorsqu'on a cette variation, donc il va être transmis et on va avoir la maladie. Par contre, il y a certaines variations où les patients, les malades et les patients, on peut avoir la variation, mais c'est certaines personnes, on a l'expression de phénotype, mais c'est d'autres, on n'a pas l'expression de phénotype. Donc c'est une pénétrance moins. Et donc lorsque la pénétrance est très forte, le score est très élevé. Et lorsque la pénétrance est faible, bien sûr, le score va être diminué. Pour dire que la composante génétique peut être aussi utilisée avec précaution. Ce qui a ramené la communauté à l'échelle internationale des psychiatres à constituer la Psychiatric Genomic Consortium. Et donc, c'était une découverte pour moi il y a 2 ans, lorsque j'ai commencé à lire et dire
Voilà, ça c'est quelque chose d'extraordinaire où vraiment la communauté internationale s'intéresse à la génomique dans les différentes maladies psychiatriques que vous voyez ici. Et on va essayer de voir comment peut-on mettre à profit ces données génomiques pour répondre à l'étiologie de certaines maladies et à leur traitement également. Et donc là, voilà par exemple, vous avez maintenant tout ce qui est en relation avec l'expression du gène. Vous avez le génome à l'intérieur, mais vous avez les expressions dans différentes maladies. Et donc on doit intégrer ça pour essayer, dans un autre consortium qui s'appelle PsychoEncode, donc on s'intéresse à la génomique fonctionnelle par rapport aux maladies psychiatriques. Donc il n'y a pas que la composante structurelle génomique, mais également fonctionnelle. Donc là, voici quelques exemples de réalisation. Génome-wide meta-analysis depression identified 102 independent variants and highlight the importance of prefrontal brain region. Donc rien qu'avec cette étude, on a vu la région préfrontale et son importance. Et grâce à ces études de génomique, on a ces 102 variants qui permettent vraiment d'expliquer un peu la dépression. Et donc l'ultime objectif, cela n'est pas venu du jour au lendemain. Donc 2003, c'était la réalisation de notre génome. Et il y avait trois visions stratégiques. La première, c'est comment transformer les données de la génomique structurelle pour comprendre la biologie d'une façon générale, c'est-à-dire le fonctionnement physiologique de nos cellules. De 2010 à 2020, c'était comment on peut exploiter les deux stratégies pour comprendre les maladies. Et on est actuellement dans la vision 2020-2030, qui est réalisée par d'éminents scientifiques, et de dire comment on va exploiter toutes ces données, mais pour les ramener au chevet du malade et pour faire la conception de médicaments innovants. C'est la raison pour laquelle plusieurs pays ont déjà entamé leur projet de génome humain. Donc vous avez génome United States, génome Canada, etc. Tout cela pour préparer l'ère de la médecine personnalisée. Qu'en est-il pour le Maroc et pour l'Afrique? Donc vous voyez une autre carte où on a vraiment les régions qui sont actives, mais là, l'Afrique reste vraiment un terrain vierge vis-à-vis des données génomiques. L'Afrique ne contribue que à 2% sur les données génomiques qui sont disponibles dans les bases de données. Voici une première réalisation qu'on a faite au Maroc, c'est qu'on a séquencé quand même trois génomes marocains. Ce sont les étudiants en thèse, après leur consentement, bien sûr. Et dans cette étude qui est réalisée par Rachid Tazi, notre collègue qui est Rachid, mais qui est professeur à la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat. Et donc, sur ces génomes normaux, nous avons identifié 5,9 millions de variations. Parmi ces variations, il y a 200, et c'est ça l'information la plus importante, 200 000 SNV qui ne sont pas dans la base de données 1000 génomes, ni dans la base de données génome AD. Ça veut dire que ce sont les deux grandes bases de données sur lesquelles on se base pour dire que tel variant est pathogénique ou non pathogénique. Donc pour vous dire, la spécificité du génome marocain est qu'il est temps et il est important d'avoir notre propre base de données, je peux dire maghrébin parce que nous avons un historique commun et africain par la suite. Et donc l'ultime objectif de la génomique, de la médecine génomique, c'est de ramener, bien sûr, c'est une nouvelle discipline qui va impliquer l'information génomique dans le dossier clinique du patient. Donc, c'est une médecine qui va être personnalisée, prédictive, préventive et participative. C'est-à-dire que demain, on va se présenter, le patient de demain, il va avoir sa carte d'identité, sa carte de sécurité, sa carte de crédit pour payer, mais également sa carte d'identité génomique. Et sur cette carte génomique, voici les vertueux objectifs vraiment de cette médecine personnalisée qui va concerner les pratiques générales, le diagnostic, les décisions de chirurgie, la pharmacogénétique, la planification familiale et bien sûr un certain nombre de maladies à étiologie inconnue vont être résolues. L'ultime objectif, et je m'attarderai un tout petit peu, c'est pour améliorer le diagnostic, améliorer le pronostic, diminuer les effets secondaires, optimiser le traitement, améliorer l'accès aux thérapies, bien
monitorer ou suivre les maladies et surtout rendre les essais cliniques beaucoup plus efficaces. Actuellement, on parle d'essais cliniques et on fait un recrutement d'une population, mais dans ces essais cliniques, on a une hétérogénéité génétique. Et donc, nous avons des réponses qui sont tolérées à 5% des effets secondaires pour avoir une autorisation d'AMM. Et avec les données génomiques, je pense que le paradigme des essais cliniques va changer en intégrant la fonction génomique et on va aller vers ce qu'on appelle, est-ce qu'il est temps pour essayer, pour avoir le one person trial. Parce que les essais cliniques sont conditionnés par un nombre, dans les phases 1, phase 2, phase 3, mais avec la médecine de précision, on peut avoir un traitement très personnalisé. Est-ce que c'est de la science-fiction ou bien on applique déjà la génomique dans différents domaines? Un des domaines de l'application, elle est vraiment presque de routine, c'est l'application des données génomiques au cancer. Le deuxième domaine qui vient, c'est la pharmacogénétique, les maladies bien sûr rares, la génomique de la reproduction et bien sûr l'intégration des données génomiques avec l'intelligence artificielle. Ça commence déjà et donc je vais m'attarder aujourd'hui, je vais focaliser sur la pharmacogénétique en vous disant lorsqu'on fait un traitement ou bien on recrute un essai clinique, vous avez une population qui est très variable. Cette population qui est très variable, vous avez des répondeurs qui sont en vert et vous avez des répondeurs mais avec des effets secondaires. Vous avez des mauvais répondeurs et vous avez également des non-répondeurs. Et donc l'idée de la pharmacogénétique, c'est avant de donner un traitement, faire un test génétique et de dire, en fonction du génotype des personnes, voici la dose qu'il faut leur donner ou tout simplement, ce médicament n'est pas adéquat pour cette personne. D'où l'ultime objectif de la pharmacogénomie, c'est avoir la bonne dose, le bon médicament, la bonne indication, le bon patient et le bon timing. Déjà, la Food and Drug Administration a intégré un certain nombre, environ 100, plus de 120 médicaments pour lesquels des tests génétiques sont obligatoires avant la prescription. Voici des exemples concrets de réponses. Si vous prenez ce médicament, qui est l'aripiprazole, c'est une personne sur 5. Le Nexium, c'est une personne sur 23. Pour la dépression, le Duloxétine, c'est une personne sur 7. Et ainsi de suite. Et donc, est-ce qu'il est temps d'intégrer ces tests génétiques dits de compagnon pour améliorer justement le traitement des patients et réaliser les 5 vertus de la pharmacogénétique? Donc, les protocoles thérapeutiques, ce sont des outils essentiels, comme on l'a vu en psychiatrie. Ils sont des directives médicales utilisées pour fournir des soins de qualité et traiter des affections spécifiques. Nous assistons à la lutte quotidienne de patients psychiatriques moyens qui se heurtent à une résistance au traitement, à une multitude d'effets secondaires, ce qui peut dissuader le patient, déjà stigmatisé par la société, en raison de sa maladie mentale, de rechercher un traitement adéquat. La pharmacogénomique psychiatrique permet de surmonter la résistance au traitement, réduire les effets secondaires et améliorer les résultats pour les patients qui souffrent inutilement en raison de leurs conditions difficiles. Et à la fin, un psychiatre bien informé qui traite avec des psychotropes doit utiliser les informations pharmacogénétiques fondamentales sur les médicaments afin de guider le traitement aujourd'hui et à l'avenir. Si on quitte la salle rien qu'avec cette indication, je serais vraiment très, très heureux de dire, voilà, nous sommes convaincus que les données génomiques sont d'une grande importance, mais on a besoin des outils pour être plus convaincants. Donc, les effets secondaires, je ne vous en fais pas, ils sont connus de vous. Est-ce qu'on peut éviter ou à la limite réduire l'impact de ces effets secondaires? C'est ce que promet la pharmacogénétique. Et là, vous avez vraiment le site de FDA. Donc ça, je vais partir. La deuxième partie, ce sont les outils que vous pouvez consulter vous-même
pour aller chercher cette information pharmacogénétique qui est d'une grande importance. Donc, si vous ouvrez le site de la FDA, vous allez trouver trois sections que j'ai traduit ici. La section 1, c'est l'association pharmacogénétique dans laquelle les données soutiennent des recommandations de gestion thérapeutique. La section 2, c'est des médicaments avec association pharmacogénétique pour lesquels les données indiquent un impact potentiel sur la sécurité ou la réponse. Et vous avez la liste des médicaments avec une association pharmacogénétique pour lesquels les données démontrent un impact potentiel sur les propriétés pharmacocinétiques uniquement. Donc vous avez cette information à portée de doigt. Mais plus intéressant aussi, c'est que la FDA, pour faciliter la tâche, elle a mis une base de données des différentes variantes. Donc on ne vous laisse pas dans les bases de données publiques pour chercher une information diffuse, mais voici une base de données qui est filtrée pour avoir vraiment l'information pertinente. Et donc, la FDA, par exemple, ça c'est des chiffres, vous avez ici, c'est la part de médicaments dont la réponse est affectée par le polymorphisme aux États-Unis. Vous avez pour les médicaments approuvés par la FDA, il y a 7% qui sont affectés par des pharmacogènes. Et pour ceux qui sont prescrits de façon ambulatoire, il y a 18%. Mais pour être beaucoup plus parlant, je donnerai un exemple concret d'un médicament, le deuxième médicament le plus prescrit aux États-Unis, qui est le Plavix, un anticoagulant. Et le gène pharmacogénétique, c'est la 7C19. 15% des Américains sont des non-métaboliseurs. Et aux États-Unis, on dépense à peu près 6 milliards de dollars pour ce médicament. Si vous faites 15% des 6 milliards, vous avez environ 900 millions de dollars qui sont perdus parce qu'on donne un médicament à des personnes qui ne le métabolisent pas, mais qui bénéficient d'un effet secondaire. On est en train, au lieu de les soigner, on est en train d'aggraver leur situation. Et donc la FDA veut vraiment faire de la génomique une pratique de routine. Et pour se préparer, donc voici le schéma qu'ils ont fait. Ils ont dit, nous avons besoin de bases de données qui est purifiée. Nous avons besoin d'outils bioinformatiques qui vont faciliter la tâche clinicienne. Si je vous donne une séquence de ATCG au clinicien, ça n'a aucun sens. Si je donne un clinicien un résultat en disant que c'est la mutation du gène qui s'inscrit, etc. Mais nous avons besoin d'outils vraiment bioinformatique intégré, qui lorsque le clinicien va cliquer sur la mutation, il va le lier à une base de données qui va renseigner sur le gène, qui va renseigner sur la pharmacogénétique et ainsi de suite. Et vous avez aussi la standardisation de ces médicaments. Combien il me reste? 10 minutes. Très bien. Donc, voici des exemples de recommandations pharmacogénétiques vis-à-vis de certains médicaments. Donc, vous voyez, on donne le médicament, on donne le pharmacogène pour l'enzyme qui fait le métabolisme. Et là, on voit le risque très rapidement. Je vais aller un peu plus vite. Donc, juste pour comprendre, puisque maintenant, notre génome, il est à la portée de la main. C'est ça la réalisation de la TMC. Qu'est-ce que ça veut dire avoir le génome humain séquencé? Ça veut dire que vous pouvez naviguer à travers votre génome, chromosome par chromosome. Vous pouvez faire de la recherche et de dire, ben, j'ai besoin de connaître tous les gènes qui sont impliqués dans le métabolisme des médicaments, tous les cytochromes. Et donc là, nous avons 57 gènes. Et voici comment on identifie cette nomenclature cible. Donc vous avez la superfamille, la famille, la sous-famille, etc. Et nous connaissons vraiment l'expression de ces gènes dans le foie. On connaît les différentes SNP. Et qu'est-ce que c'est qu'un SNP? Donc, vous voyez, voici un individu 1. À cette position, vous avez un C. Un autre, il a un T. Donc, ça, c'est un C qui va être changé en T. Donc, on a un allèle majeur, un majoritaire et un allèle minoritaire. Et avec ça, on peut déterminer le génotype du patient. Et ce génotype de patient va vraiment déterminer les personnes qui sont des métaboliseurs ultra rapides, les rapides, les intermédiaires et les non-métaboliseurs. Quelles conséquences, bien sûr, sur les traitements? Donc voilà, ce que vous avez appris en tant que médecin dans le module de pharmacologie, c'est la pharmacocinétique et la pharmacodynamique. Comment le médicament va agir et comment elle est métabolisée.
Maintenant, il y a une composante qui doit s'intégrer dans le cursus de formation. C'est la pharmacogénétique. Voici la répartition, bien sûr, en pourcentage des différents polymorphismes dans les différentes cibles. Et voici un exemple de tableau qu'on peut recevoir lorsqu'on fait une analyse pharmacogénétique pour un médicament qui doit être métabolisé par la cible de T. Donc, vous avez l'hydroxydibrisécone qui va devenir la dibrisécone-quine. D'accord ? Et donc, si la cible de T n'est pas fonctionnelle, donc on n'aura pas cette activation de ce médicament et on va renforcer juste les effets secondaires. Alors, comment sont réparties vraiment les variations dans les populations? Vous avez les ultra-métaboliseurs, les métaboliseurs normaux, les intermédiaires et les corps métaboliseurs dans les différentes populations. Et ça, c'est très important. Si on n'a pas les données du Maroc, du Maghreb, donc ces chiffres vont rester vraiment à prendre avec des... Parce que la quantité d'informations génétiques sur le Maghreb et sur l'Afrique est très faible. Et donc, ces pourcentages ne sont pas vraiment réels. Donc, il faut s'inscrire dans ces projets de génome maghrébin, etc. L'Afrique du Sud s'est engagée, ils vont avoir leur projet. La Tunisie a déjà son projet génome tunisien. Donc, il faut que le Maroc soit aussi inscrit pour le bénéfice de nos patients. Mais vous voyez, par exemple, pour la cible de D, les ultra-métaboliseurs ont une fréquence très élevée au Maghreb. Les interactions, parfois certains médicaments ne sont pas métabolisés avec un seul médicament. C'est le cas de la lilipramine qui doit être activée par la cible de C19 et par la cible de D. Donc vous voyez les cas de figure qu'il peut avoir. Donc si vous faites le génotype ici, vous pouvez avoir des personnes qui ne vont pas métaboliser. Et donc vous aurez un cumul de la molécule non active. Vous pouvez avoir la dizipramine qui est très active, mais il ne va pas être inactivé. Et donc là, on va avoir un risque très, très élevé. Donc, un simple test pour cet individu, je vais avoir son idée sur la cible de C19 et sur C2 pour dire, oui, c'est un métaboliseur lent, rapide, non métaboliseur, et je peux prendre la décision, et ça, c'est le message. Ici, ce sont les recommandations, bien sûr, au niveau de la Société française. La pharmacogénétique des médicaments antidépresseurs, état de connaissance, des pratiques, recommandations du réseau national de pharmacogénétique. Donc, pour dire qu'il y a un réseau de pharmacogénétique et que le test compagnon commence à être une réalité. Et j'espère qu'un jour aussi, il le sera pour le Maroc. Pour les techniques, on aura l'occasion, peut-être dans un futur très proche, de commencer vraiment à faire ça en pratique. Surtout pour les jeunes médecins, où on va vraiment réaliser le génotypage dans le laboratoire. Vous êtes les bienvenus. On est en train de préparer ça avec professeur Lounès et professeur Benbachir pour faire un génotypage par la PCR en temps réel et pour un génotypage par séquençage nouvelle génération. Et même, on vient d'acquérir la troisième génération de séquenceurs au niveau de CNRST. Et je pense qu'il n'y a pas meilleure façon de sensibiliser que de faire soi-même. Et on va commencer par nous génotyper nous-mêmes, parce que c'est une expérience qui est très, très importante. Aux États-Unis, les étudiants de 5e année de pharmacie ont un TP de pharmacogénétique. Ils font leur séquençage eux-mêmes, dans la pratique. Et là, ça donne des informations extraordinaires. Et certains ont découvert qu'ils sont des non-métaboliseurs pour certains médicaments. C'est comme si vous avez votre carte de métabolisme, même si vous êtes en très bonne santé, pour prévenir le futur. Et je pense que je vais m'arrêter sur cette diapo. Merci. Merci à vous, professeur Thomas, pour ces éclaircissements très prometteurs qui contribueront sûrement dans la prise en charge de nos patients. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, merci beaucoup de. D'avoir partagé cet intérêt-là pour la pharmacogénétique et de reprendre ce sujet avec nous. La dernière fois, on avait dit, est-ce que pour avoir des données applicables en clinique, est-ce que ce serait juste un échantillon en population générale qui nous donne une idée de ce que c'est que notre profil génétique, ou alors
on reste dans une démarche strictement individuelle au cas par cas. Très très bonne question. On doit être engagé dans les deux. Donc les fameux projets nationaux, par exemple aux États-Unis, ils ont dépensé à peu près 200 millions de dollars pour réaliser ce qu'on appelle le génome américain, pour avoir une idée générale sur ce génome. Donc on doit s'inscrire dans cette génomique de population pour avoir vraiment les différents variants. Ça c'est un. Et parallèlement, on peut s'inscrire dans ces prescriptions personnalisées, surtout lorsqu'il y a un traitement. En oncologie, maintenant, elle est tellement évidente qu'on ne se pose plus la question parce que le traitement, qui va dépendre de tests génétiques, et le traitement coûte extrêmement cher. Même l'industrie pharmaceutique, il finance les tests génétiques pour qu'ils ne les perdent pas. Et donc, les deux doivent être allés vraiment en parallèle. C'est si on le veut, c'est la démarche, c'est quoi et c'est à quel prix on fait quoi? Voilà, justement, donc actuellement, on a entendu parler de la refonte du système médical, toute la liste des prix, il vient d'être réactualisé. Et donc, nous avons des laboratoires de génétique médicale, qui est donc la discipline par excellence et la spécialité. Donc, ce sont les premiers à contacter. Mais comme dans tous les pays, ils ont commencé aussi par consulter des laboratoires de recherche qui font la génomique à haut débit, pour faire des génomes entiers ou bien pour faire des exomes. Et donc, juste pour vous donner une idée sur les prix, au niveau de Saint-Alastair, on fait des exomes et j'ai participé à un projet où je peux avoir 100 génomes gratuitement, gracieusement offerts par une compagnie de la Corée du Sud. Et j'ai fait bénéficier des patients qui n'ont pas de moyens parce qu'un exome, il coûte 17 000 dirhams au Maroc. Il va coûter 6 000 euros ailleurs. Parce que les produits de la recherche médicale coûtent 2 à 3 fois plus cher qu'ailleurs, ce qui est paradoxal. Mais en faisant ce travail, il y avait énormément de demandes. On a consommé les 100 exemples gratuitement et on a demandé 50 de plus. Mais il est temps que l'État également prend en charge ce genre d'études. Mais pour que l'État puisse investir, il faut lui demander qu'est-ce qu'il gagne. Quand on a un chiffre de dire, voilà, si vous ne faites pas un test génétique pour le clopidogrel de graines, vous perdez 900 millions de dollars, là, il y a un retour sur investissement qui est vraiment, on va justifier les décideurs, je pense. Bien, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci. Et donc, merci à nouveau aux intervenants pour leur excellent exposé. Et je vous donne rendez-vous dans 15 minutes. Alors, réveillez tous et ramenez avec vous des amis.